Est parti et bonsoir à tous je suis en train tranquillement d'aller prendre toutes les infos et de copier les liens vers la chaîne sur, sur discord on va commencer tranquille vous le savez je suis dans mon studio euh, habituel là où je fais mes montages je ne suis pas dans euh, mon nouveau studio qui s'appelle l'indépendance je suis vraiment chez moi tranquillou et euh, hop, wow, wow, tout le monde se calme et euh, voilà, ça me permet d'avoir le temps de vous in... Je... ça veut rien dire, vous in... vous inviter, nous inviter à rester là pendant ce live à parler avec nous. On va passer une excellente soirée, ça j'en suis sûr. Et donc on est parti sur un live qui euh, est un live sur euh, Supermarket Simulator. Donc on va aller sur Discord. Voilà, j'espère que vous avez passé une une excellente journée et euh, une excellente semaine parce que forcément le lundi on n'a pas travaillé. Ça ça, fait du, ça, ça fait du bien. Ça, ça fait vraiment du bien. Et euh, j'ai débranché mon casque. Non, c'est bon. Ça, ça fait vraiment du bien de ne pas travailler le lundi. Franchement, c'est cool. Je ne vais pas vous le cacher, c'est cool. Alors que le Discord, ça se passe mal parce qu'on est installing update one of one of 15. Bon, bah ça se passe plutôt mal. Ah, c'est bon, ça se lance quand même. Euh, donc ce soir Supermarket Simulator, je vais attendre que les gens arrivent sur ce live ou live comme ne dit personne. En fait, personne dit ça. Donc là, on va dire euh, Yo les Loulous. Non, ça c'est Villebroquin. Yo les Noobs. Ah bah non, pourquoi je fais Yo Salut les Noobs. Ce soir un petit live chill sur Supermarket Simulator. J'allais mettre 2024. Genre, il a une tous les ans. Ce soir, un petit live chill sur Supermarket Simulator. A euh, tout de suite. Bam, le lien où est la vidéo YouTube Je mets le lien tranquillou à base de tranquillade. Salut Alexandre, salut P7P55B. Ah, c'était ça la rêve sur Discord, Supermarket Simulator. Bah, bien sûr. Salut, Durandril Oh, j'avais failli dire Durandil. Et on peut rester et pas parler, bien sûr. Vous, win, vous, oui, refresh. Voilà. Soir Alex. Alors, euh, c'est ça que je voulais faire. Je voulais copier le lien et je vais le mettre sur Discord et on va commencer à jouer. Parce que on n'est pas là pour poser de la moquette. Every One. Allez, bim, on envoie la notification sur les 20 milliards de membres que j'ai sur Discord à 20 milliards près et euh, on est tipar comme disent les deux jeunes, pas les deux jeunes les, les jazz. Bon, alors Supermarket, oh là 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 là, Yo le pay, nous dit Ald, oh Ald, faut que je t'appelle, faut que je t'appelle, faut que je t'appelle la tarte, faut que je t'appelle. J'ai appelé ton frère Ald mais faut que je t'appelle toi. Euh, pour euh, la suite. Yo vieux nous la forme. Oh, il y a Nico, qui est là. Nico Franck Ça va très bien. J'espère que ça va bien chez vous. Salut Nico. Mon ah, j'allais dire mon Belge préféré mais non, il y a quand même euh, Denver qui est, qui est mon Belge préféré. Bon, mon mon préféré. Mon Nico préféré, voilà. <laughs> ça va, j'ai pas de famille qui s'appelle Nico. Euh, donc Supermarket Simulator. Je vais vous faire voir un petit peu l'intérieur de mon supermarket avec ici des bonnes frites et les bons poulets. Là, on a mes trois caissiers. Ils sont complètement différents. Là, on voit qu'il y a Jean-Pierre, Jean-Pierre, et là, enfin, là, lui, change. c'est complètement quelqu'un d'autre. C'est Jean-Pierre. Ils ont tous la même gueule. On a donc des trucs un peu mal foutus, mais c'est parce qu'on va rajouter une quatrième caisse et un quatrième caissier ici. On a ici du café, du café moulu, euh, narvalo, machin. On a du PQ à l'entrée avec des pommes de terre. T'arrives, tu prends ton PQ, tu passes à la caisse. On a ici tout ce que j'avais déjà quand j'avais fait une vidéo il y a peut-être un mois, un truc comme ça. Voilà, donc pas mal de, de trucs réfrigérés. Ici encore d'autres du jus de pomme, du jus d'orange. Je euh, suis riche. De la mozzarella et de la. Je sais pas comment ça s'appelle. Du parmesan. Le petit Coca-Cola. On est bien. Là, vous allez me dire, mais ça passe jamais. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Calme-toi, tout de suite, ça passe. Easy mode. Donc là, du euh, boom classique, du truc pour la vaisselle. Là. Du produit euh, Kilmol. Toujours les noms un peu mar marrants. Bidé, voilà, bidé le nom du, du, du PQ. Sapu, le nom du truc pour, euh, pour euh, super dégraissant. On a du Yamo Ultimate Green Power. J'ai pas la ref là. Du sucu, du Sucre, du Pablo Sugar et non pas Pablo Escobar Du Laba Voilà euh, Du Honey, bon bref, voilà J'ai pas mal de produits, on a commencé à avoir de la Vodka, des Chips euh, Enfin des Chips, des... Merde, comment on appelle ça Je sais plus, les machins mexicains euh, Pas de souci LD, ouais tu m'étonnes Là on a de la, de la bibi, de la bière En fût et en petite euh, pression comme ça Voilà ça ressemble à une marque que vous avez reconnue. Je vais pas la citer parce que sinon je suis banni instantanément si je dis le mot lèvre. F... Ah bon, je l'ai dit, c'est pas grave. Euh, on a de la purée. <laughs> c'est très drôle. On a de la purée. La purée. J'aime la purée. La purée. On a. J'avais jamais fait la rêve. J'avais jamais pris la rêve. C'est quand je l'ai dit que j'ai dit c'était drôle. On a de la sublette floor. Donc la... de la farine. On a du sandwich bread nature. Et on a encore des chipos. Des chips molles. Voilà tout simplement ici on a de je sais pas quoi VC boeuf VC boeuf c'est du détache euh, du désinfectant on a du euh, poivre bien sûr du sucre euh, poudre bouillie. du sucre glace on appelle ça et du rice et l'au moins et <laughs> du riz voilà ça c'est mon magasin avec mes trois pecno qui euh, font la caisse voilà, on a euh, toujours des produits qui y sont arrivés. Je ne sais plus s'ils étaient là, les petits coraïas, les pizzas, les machins, etc. Et dans ce jeu, il y a quelque chose que je n'avais pas beaucoup utilisé euh, dans le jeu c'était le stockage. Le stockage, c'est quoi C'est clair, on a 4 pecnos qui sont chargés. Waouh Là, ouais, je dis waouh On a quatre pecnos qui sont chargés d'aller dans le stockage chercher des euh, cartons. De les amener directement dans la salle et de re-remplir les rayons. Voilà, c'est leur boulot, c'est leur métier. Ce qui fait que moi, je n'ai pas grand chose à faire, si ce n'est commander sur le site internet et euh, avec un mode. J'ai installé un mode sur ce jeu ici. Il y a le mode qui, je pourrais vous donner le nom juste après. Il y a un mode qui euh, nous permet de voir le stock qu'il y a et ce qu'il y a en boutique, si je puis dire, dans la supermarché. Donc j'en ai 43 paquets de céréales en boutique et j'en ai 24. En stock. Et donc moi, mon boulot, là, par exemple, les sucres, il en reste plus que deux en stock, donc ça va, il y a pas besoin. Et moi, dès que ça arrive à zéro, en fait, mon boulot consiste à commander les pièces et à les mettre dans le stockage. Ensuite, c'est les mecs qui s'occupent de les remettre en rayon. C'est comme ça que ça avance dans ce jeu, et c'est plutôt sexy. Est-ce que j'en ferai 153 millions de lives là-dessus Non, hein, on va pas se le cacher. Peut-être que j'en ferai un, hein, voilà. mais euh, voilà, là, j'en vois pas qui sont à zéro. On va pouvoir commencer tranquillou la journée. Là, par contre, j'ai un peu de la stock sur de la bière. Là, la bière, vous voyez, c'est en blanc, donc je suis tranquille. Donc, peut-être que si on arrive à avancer, j'aurai beaucoup plus de stockage. Et donc, je pourrais stocker énormément de... Genre, un, un truc, un, un, une étage, hier, pardon, par type de produit. Ça, c'est on verra. Mais je pense que ça va être tendu du string. Euh, bah, c'est pas mal, ça. Voilà, tout est à... Voilà, On va pouvoir démarrer la journée. Je vous rappelle que ça commence à 8h du matin et ça se termine à 9h du soir. Et voilà, on a trois caissiers. Je vais pouvoir avoir mon quatrième caissier. D'ailleurs, en fait, je suis en train de me demander que je pourrais... Je pourrais déjà l'avoir en quatrième caissier. Everybody. Euh, oui. Hop, on va prendre une caisse. Et on va pas la lâcher. <rire> <rire> Pardon. Et on va... Ah merde, il faut que je sois niveau 50. Bah ben voilà, c'est très con C'est très con. Je l'ai commandé, elle est là. Donc elle va nous attendre pendant... Environ 154 ans. Donc là, je vais la foutre là. Merde, j'ai déjà acheté la caisse. Alors que ça ne servait à rien puisqu'il me faut le niveau 50 et que je suis niveau 46. On a notre premier client qui nous achète trois trucs de sucre en poudre et du, du, du beurre. Je crois que j'ai vu. On a une dame qui arrive. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous faites à moitié à 4 pattes dans mon magasin Calmez-vous. Marconte, est-ce que t'as chié dans ton bain C'est bizarre la façon dont tu marches, madame. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que c'est que ça Par contre, je suis vraiment. On vous voit. Je suis vraiment en train de regarder le cul, d le cul en pixels d'un personnage fictif. On va devoir que je me soigne. Euh, voilà, donc ça c'est mon stockage. Vous le voyez, on a ce petit chiffre qui est à côté. Ça, je ne sais pas si je l'avais avant ou si c'est le mode. Non, 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 je crois que je l'avais avant. C'est pas le mode qui fait ça. Et donc j'ai un autre mode. Un mode extrêmement pratique. Par exemple, ici on a du bon papa, des, des, des petits gâteaux. Imaginons, donc le prix du marché il est à 1,108. Imaginons que je le mette, je suis un peu con, hein, je le mets à 4 euros. Genre, je fais beaucoup de profit, machin, ben, il ne se vendra pas. Du coup, j'appuie sur, soit j'attends le lendemain matin, soit j'appuie sur CTRL R, et regardez, je lève la main, parce que je suis obligé d'avoir la main gauche sur CTRL R, j'appuie sur CTRL R, et là, bim, ça se remet à 10% plus cher que le prix du marché. Donc 1,08 plus 10%, et eh ben on est à 1,80. Voilà, et ça arrondit euh, au centime supérieur, un truc comme ça. Voilà, ça ce module, vous avez terminé une période de concentration. Mais frère, j'en ai rien à branler de ta période de, concentra de concentration. Bon. Et donc, je voulais juste avoir une période de concentration parce que je voulais pas que les notifs euh, arrivent de WhatsApp et tout. Parce que potentiellement, j'ai repensé, mais si j'ai une notif WhatsApp, il y a des numéros qui peuvent leak en fait. Et bon, là, il est pas lancé WhatsApp, donc ça va. Mais en Discord, par exemple, quelqu'un me met euh, T'es vraiment beau gosse, bah tout le monde va le voir. Euh, donc, j'ai moins ce problème sur mon PC dans l'autre studio. Parce que dans l'autre studio, je ne suis pas en mode... Euh, euh, j'ai pas de compte connecté dessus. Si je dois avoir juste Discord. On est pas mal, on va aller voir tout de suite. 3615. Bah oui, j'ai remonté un petit peu en thune parce que j'ai acheté une caisse. Alors que ça ne sert à rien du tout pour l'instant. Enfin bon, ce qui est acheté n'est plus à acheter. Et donc... Vous l'avez vu, pour augmenter mon magasin, non pas augmenter, pour augmenter mon magasin, euh, la taille, il va falloir dépenser 20 100 dollars. Là, on va payer les impôts, les taxes. Il va falloir dépasser, dépenser 20 000 boules. C'est impossible, jamais je fais ça. Donc là, ce qu'on va euh, se fixer comme objectif, c'est d'acheter 7 licences et 7 licences du produit. Donc, des... il y aura 7 nouveaux produits. 6 nouveaux produits, 6, et 7, 13, il y aura 13, il y aura, du nouveau, il y aura 4 nouveaux sodas, putain, du sucre, du café, donc voilà, il y aura plusieurs matériels qui vont euh, arriver, et regardez, c'est déjà prêt en fait, là ici il reste 1, 2, 3, 4 produits, et on recommencera peut-être euh, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vous voyez, c'est comme ça que j'ai fait, et donc le premier produit, si je puis dire, dans ma liste, c'est comme ça que je me suis rangé, hein, voilà, le premier produit à vendre, c'est des céréales Chokipik et du pain de mie et de la farine. Et donc, quand vous allez là, céréales, euh, pain de mie, euh, farine, et etc., etc. Donc là, par exemple, je vois qu'il n'y a plus de pâte, panzani. Donc, soit c'est mon poteau qui est parti en chercher. Là, vous voyez que c'est marqué zéro. Donc là, boum, je lance directement une commande de deux. Je commande deux par deux, euh, voilà. Donc là, en, on regarde en un coin d'œil, on voit qu'il n'y a plus d'orange juice. Donc là, on va en commander par deux. Voilà, et le jeu est plutôt comme ça. Moi, mon but, c'est de découvrir de nouveaux produits. On va pouvoir faire ça assez rapidement, je pense. Ah, il n'y a plus de trucs de nettoyage et de PQ. Vous voyez Trucs de nettoyage. C'est pour ça que j'ai chill en fait. Bam, du PQ, pam. Allez, il me reste encore un truc à commander. Ah, du poulet. Allez, c'est parti, du poulet. Si pas cher, mon poulet. Il est où le poulet Putain, il est là. Ok, c'est vraiment le jeu de l'année. Je tenais à vous le dire. Bam, j'achète. Allez, c'est parti. Maintenant, on rush. On va livrer la Panzani. Bam, on le livre bien au bon endroit. On relise de la Panzani. Alors, des fois, je me loupe parce qu'en fait, je vois qu'il ne reste plus. En fait, c'est l'autre con qui était parti en bête dans les. Et eh ben, c'est exactement ce qui se passe. Voilà, là, j'ai l'air con. Parce que j'ai acheté deux trucs de jus d'orange. Et là, je peux pas le mettre. Regardez. Et eh ben non. Donc, là, je le fous ici. Donc, ça, ça m'arrive souvent. C'est que George, euh, Giorgio il est parti chercher de, des trucs et il est pas revenu. Et il est revenu avec un carton euh, plein encore. Donc là, je refurbiche mon stock. Donc il y a des moments où vous pouvez mettre 3 cartons, 4 cartons, 5 cartons, un seul carton. Merde, putain, le con J'ai inversé le PQ avec le poulet. Donc là, faut que je mette le poulet là tout de suite pour m'en rappeler. Voilà. J'essaye d'être très organisé, chaque chose à sa place, chaque place à sa chose. Voilà, voilà, et donc le, le, le truc, j'ai remis un peu de, de PQ ici parce que le PQ ça, ça prend un étage complet pour 4, rouleaux, 4 malheureux rouleaux de PQ et pareil pour le poulet. Donc je me suis refait un truc derrière. Voilà, là je suis bien, vous voyez que la journée est quasiment terminée déjà en fait. Et on regarde les stocks. Ah, le café, bim, c'est parti pour deux. Le lait, bim, c'est parti pour deux. Oh putain les pommes de terre là ça se passe au mal Ça se passe au mal Je vais les commander tout de suite Je vais pas attendre Hop là, bon c'est parti Et les pommes de terre, bon je les mets là ici Parce que là il y avait une urgence, il y en avait plus ni dans le magasin ni dans le stock. Donc je sais pas pourquoi les gens ont décidé de bouffer de la pomme de terre aujourd'hui. Mais ils me court un petit peu sur le stone Allez on y va, on met le lait. Il est où le lait Patrick. Patrick le lait. Pour ceux qui ont connu il est temps de se concentrer. Mais qu'est-ce qu'il me fait, putain? Mais arrête tes conneries, frère! Comment ça s'arrête, cette merde? Bon, je sais pas. Oh là là, ça va me saouler la période de concentration. Alors, ça, pour info, sur Windows, ça s'appelle le. Enfin, c'est pas sur Windows, mais en général, ça s'appelle le mode Pomodoro. Putain, il avait déjà pris du lait, il en reste. Chier. Et Ponodoro en fait c'est que vous travaillez cinq minutes ou un truc comme ça. Bon, c'est peut-être plus que ça, je dis n'importe quoi, si vous travaillez une demi-heure, vous arrêtez 5 minutes, vous retravaillez une demi-heure, vous arrêtez 5 minutes, mais quand vous travaillez une demi-heure, vous fermez les téléphones et tout, hein. vous êtes vraiment à donf. Et cinq minutes, vous ne travaillez plus, interdiction de, tra de travailler. Et euh, quand vous avez fait ça je crois 4 fois, bah là vous prenez une plus grande pause de un quart d'heure. Et vous sortez à l'extérieur de la pièce, euh, genre vous allez respirer un peu de l'air, etc. Vous ne touchez plus un PC. C'est une technique qui s'appelle donc Pomodoro. Et l'acide en concentration, c'est un petit peu ça. Je pense. C'est un peu basé sur cette technique. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Euh... Oh, le PQ Mais arrêtez de vous torcher le cul, merde Oh, les, les, pomme, les pommes de terre Les pommes de terre, c'est une truc de malade Allez, le café, on y va. Le saumon, on y va. Oh purée Hop, on y va Eh ben dis donc, ils consomment bien les mecs hein. Les chips, ça. il y a tout ce qui f... Merde, je suis déjà arrivé au max, le, le, ça s'arrête au son. Merde, je peux pas commander parce qu'il est plus de 21h Donc là, je suis obligé d'attendre le lendemain matin, mais je ne vais pas faire entrer pour terminer la journée, puisqu'il me reste encore quelques clients qui n'ont pas encore euh, payé leur addition, et je pense, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que si je fais entrer, ça ne les compte pas ces clients, et en gros, c'est pour ma pub Bonsoir, toujours chaud pour le combat de MMA SLN. MMA, Salut mon méga Tintin. Ouais, méga Tintin, j'ai. Pour info, je me suis aperçu qu'il faisait de... un sport de combat, on va dire. Enfin, un sport de. de... Je sais pas quoi. Et il faisait du judo. Et je crois avoir vu que euh, méga Tintin était ceinture noire. Comment peut-on être autant un gringalet <laughs> Pardon, putain, je rigole. Et, faire... Et être ceinture noire. Maintenant, je vais te respecter, mais comme Jaja. Parce que là, tu me fais peur. Non, je déconne, j'en ai rien à foutre. Parce qu'un judoka à ceinture noire, t'as beau faire tout ce que tu veux. À un moment donné, euh, vu ton poids, vu mon poids, il n'y a pas match, quoi. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. C'est pas drôle. Euh, voilà. Le poids, c'est beaucoup trop important. Et normalement, je crois qu'au judo, en fait, tu te sers du poids de l'autre. Tu te sers du poids de ton adversaire pour, euh, pour être pénard. Voilà, tu te sers du poids et c'est ça qui fait que euh, un petit peut un peu parfois battre un, un, un plus gros en fait un petit ou surtout un, un, un pas très lourd mais moi déjà pour me soulever il laisse tomber mais tintin je l'attrape je le soulève easy mode il fait 40 kilos le bazar allez 50 tout mouillé 50 c'est deux sacs de terreau hein. <laughs> quand tu fais les travaux tu prends deux sacs sur le sur les épaules hein. Donc, t'es deux sacs de terreau, mais il y a tantin. Voilà. Donc, je lui ai proposé. Euh, la journée est terminée. Je lui ai proposé un petit match de MMA. Alors, client satisfait, 60. produits non trouvés. Un, hein. Putain, ça, ça devait être, je sais plus, le, les pommes de terre. Hein, je sais pas quoi. Point du magasin, argent, plus 5200. C'est une bonne journée. Bam. On y va. Donc, là, les prix montent. J'en ai rien à faire, puisque ça se met automatiquement à jour, les prix à 10% de plus que le prix naturel de, euh, du, du, du bazar. Là, on est le matin, donc je peux acheter ma première commande, et je vais la remplir, parce que sinon je vais jamais savoir ce, que, ce qui me manque. Voilà, il faut que je, ça se remette à jour dans mon stock. Et là, en plus, mes, mes petits bonhommes, ils vont bosser ces fainéants. Voilà. Mais vous voyez, en fait, le problème du PQ, c'est que je pourrais, je pourrais carrément, quasiment, pardon, mettre un étage complet que du PQ. Parce que vous voyez qu'il n'y en a que 8, en fait. C'est pas beaucoup, 8. Les pommes de terre, pareil, c'est des gros machins et il y en a pas beaucoup. Donc ça, donc j'avais mis deux fois 4 mais potentiellement des fois il faut que je regarde plusieurs fois dans la journée. Et donc ce jeu aussi est aléatoire en... dans les demandes de produits puisqu'il y a des fois où tu ne pouvais rien vendre, enfin pas vendre deux, genre, je, 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 genre de poulet pendant euh, deux jours et le lendemain en vendre euh, huit, huit, huit d'un coup. C'est possible, donc c'est un peu aléatoire. Ce qui est vrai hein, dans, la... dans les faits. Euh... J'imagine que quand il fait chaud, vous vendez plus de glace dans les magasins que euh, quand il fait moins 15. Et euh, quand il y a des soirées euh, télé ou des films à aller voir, j'imagine que euh, certains, un certain nombre d'entre vous disent Tiens, allez, je vais me taper une anguenda, une vico, une, oh, une vico, c'est des putains de chips, frites, chips. il oh, me cache les couilles Mais putain, ma souris, ignoré. C'est bon. C'était chiant. Voilà, ce saumon de Norvège. Et euh... merde, du coup je sais plus ce que je disais. Je disais que j'allais m'arraver, mégan tintin. Il est parti, mégan tintin Ou alors c'est moi qui ai du retard dans le dans le chat Attendez. Ah euh... oh, mais attendez, c'est quoi ce mode Mais là j'ai pas vu licorne, j'ai pas vu, pas vu euh... il voit pas mes messages, je crois. Ben non Arthur, alors tiens, pour vous prouver que je vois pas vos messages, je vais vous faire voir ce que je voyais. Regardez, ça c'est OBS. Et vous voyez, regardez ce que je voyais. 21h0 et je voyais pas les messages. Je voyais que les messages sur. Euh... Merde, comment on appelle ça Sur euh... Oh, euh, Twitch. Donc je voyais même pas les messages sur Discord, sur euh, YouTube. Et voilà, Licorne qui est membre Et oui Faut que j'arrête. Licorne qui est membre depuis 6 mois. Déjà 6 mois, nous dit-il, Licorne. Il a carrément raison. C'est le loulou. C'est le loulou. Je suis en train de péter les plombs. C'est le loulou. Ah putain, bah bonjour ceux qui nous regardent sur YouTube. Après 10 ans. Comment ça va, Jessie Ça va très bien. Comment ça va, Arthur euh, Le. Euh, bon, bref. Ils voient pas les messes, je crois. Exactement, je voyais que dalle. Ils ont la gastro, les clients, pour consommer du PQ. Non, c'est juste qu'ils aiment euh, le PQ. Euh, salut, Arthur. Je reçois... Ça fait combien de temps que tu joues au jeu Ça fait. Je sais pas s'il y a un truc de timing. Ah bah si je peux le savoir sur Steam. Wow. Il y a des moments où je me dis que j'ai 41 ans et je l'ai fait pas. Il y a des moments où je me dis, mais je suis trop un vieux con. Parce que là, j'ai fait démarrer pour trouver le jeu. Alors, Supermarket Simulator. Tendre... Oh ah vous, ou ah, vous voyez pas Ah, vous voyez pas peut-être ouais, non, c'est bon, vous voyez. J'ai déjà quasiment, ce soir, je pense que j'aurai mes 30 heures de jeu sur ce jeu. Sur un jeu où tu remplis des rayons avec du PQ quand même. Voilà, on va situer le, le, le contexte. Je joue à un jeu vidéo où tu remplis des rayons d'un supermarché. Quand même, pour vous donner un ordre d'idée, le mec. Et ouais, mec. C'est un truc de, de zinzin. Tant joué. Ah merde, j'en ai trop là. Donc j'en suis arrêté au premier nettoyant. Donc les œufs, allez, les œufs, j'en ai rien à foutre, je les prends par quatre Tant joué à Elder, Elder Ring, 4 minutes. Tant joué à ce jeu, 27h70. Voilà, à un moment donné, je crois que je vais me faire. Il y a pas une partie de la communauté. Oh, bah ben, je vous ai pas dit du coup. Il est trop addictif. Ouais, franchement, Arthur, ouais. Je vous ai pas dit, parce qu'il y a des trucs qui arrivent sur la chaîne. <laughs> Moi, en fait, l'argent que, que j'ai sur YouTube, vous savez, à la fin du mois, machin, etc. Euh, là, je crois que j'ai eu un truc genre 400 euros, tu déclares aux impôts, ils te retirent 25%, plus 27. Bon, en gros, il me reste 300 euros. Bon, bah là, ils sont déjà claqués. Hein. Alors, voilà, j'ai déjà tout claqué. Ce week-end, je suis allé. Allez, je vous le balance en spoil parce que euh, on s'en fout. Euh, vous l'avez vu sur sur Instagram. Je suis allé à Poitiers vendredi soir. Euh, euh, vendredi soir, oui. Enfin, vendredi en fin d'après-midi. Et je suis allé à la Gamers Assembly. Voilà, je suis allé à la Gamers Assembly. Suivre en particulier bordel, c'est où que ça va ça Suivre en particulier une équipe e-sports de ma région qui sont plutôt bons les cochons plutôt bons et euh, qui en ont gagné du match hein vous allez le voir ça bientôt je pense que la vidéo sortira mais bordel ils sont où les machins là je pense que la vidéo sortira d'ici 2-3 semaines parce que le montage va être un peu chaud euh, j'ai je sais plus combien d'heures de roche mais là c'est beaucoup beaucoup là et comme dans toute vidéo que j'essaie de faire, je vais entre guillemets raconter une histoire. C'est pas un vlog où je me balade, je me balade dans les couloirs de, de, de la Gamers Assembly. C'est oh, putain mais merde, oh merde, merde, merde. Il est où le truc okay. Là c'était du putain, du, c'est quoi C'était du 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 ça. Voilà, du ribasmatique. Excusez-moi, parce que quand je me lourde. Alors, ça, c'est pareil, il y a un mode qui existe qui vous permet de ne pas vous lourder. C'est-à-dire que là, par exemple, si, là, vous voyez, si je le mets là, je peux pas. Ça ne peut pas parce qu'il reste des spaghettis. En revanche, si je le mets là, il va me dire OK. Donc là, c'est bien l'huile le l de sieur, là, je sais pas quoi, l'huile de puget là, que je mets ici. Le problème, c'est que voilà, quand il prend, quand il n'y a rien, par exemple, ici, si je mettais l'huile ici, bah, ça aurait remplacé euh, le produit. Et du coup, à la fin, vous êtes complètement perdu, en fait. Et ça, c'est très chiant, par contre, dans ce jeu. C'est très chiant. Faudrait il faudrait qu'il y ait une demande de confirmation. Et Voulez-vous vraiment, euh, de... voulez vraiment modifier le type de... Putain, j'ai pas cette place. Voulez-vous vraiment modifier le type de produit stocké ici? Oui, non. Voilà, c'était fini. Il va où le lait Merde. Putain, il va. Ah ben bah non, j'en ai trop. Putain, mais merde. Bref, donc je suis allé à la Gamers Assembly. La Gamers Assembly, c'est une LAN. J'ai regretté fortement de ne pas avoir 16 ans. En fait, maintenant, je vais pas dire que je suis... Enfin oui. Maintenant, je suis indépendant, on va dire, financièrement. C'est-à-dire que je peux euh, me faire plaisir à m'acheter un truc s'il faut. Enfin, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, c'est trop tard. C'est quand j'avais 16 ans que j'aurais voulu être indépendant financièrement. Parce que là, putain, je serais arrivé là-bas. J'aurais dit, salut, je suis un joueur, machin. Euh, je cherche une team pour aller euh, s'amuser sur euh, un tournoi LOL, euh, machin. J'aurais trop kiffé, en fait. J'aurais trop kiffé. Et donc, j'ai passé un week-end de folie. Euh, avec des joueurs euh, tous très sympas que j'ai pas trop dérangé parce que euh, voilà ils se sont dit mais c'est qui ce vieux con qui vient nous filmer euh, il <laughs> y a des moments je me suis dit putain mais de se dire c'est qui ce con qui vient filmer euh, machin bon bref mais euh, ouais bon moment euh, j'ai découvert ce que c'était que le, 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 le sport le e-sport la compétition et cette vidéo donc sortira dans 2-3 semaines il y a des trucs de zinzin il y a des trucs de zinzin. Je vous donne un élément. Les gens qui sont allés là-bas, ils ont des conseils de diététiciennes pour aller jouer euh, à des jeux vidéo. Donc, moi, là, je croyais que c'était des potes qui allaient faire une LAN et qui s'étaient créé une team, comme moi je l'ai fait quand j'étais un peu plus jeune, en disant Allez, on est les saluez-nous, team, tu vois, en mode On va délirer. Les mecs, ils ont des maillots. Les mecs, ils. Ils comptent, ils, comptent, ils comptent gagner des points pour la Coupe de France, pour le Championnat de France OTP, je sais pas quoi, de Valorant ou machin. Les mecs, ils rigolent zéro, en fait. Ils ont des préparateurs euh, physiques et des préparateurs mentaux. Waouh, frère, on est dans du jeu vidéo ou quoi Pourquoi Voilà. Et c'est en... de ça, pardon, que j'ai envie de vous parler. Ça se dit ça en français Oui. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça que j'ai envie de vous parler de pur pour. Voilà. C'est chiant ça de faire ça, de remplir les rayons, putain. Oh putain, c'est trop plein. C'est trop plein. Vous voyez. Oh bah là, c'est mes, tous mes petits trucs bio. Voilà. Oh Denver qui nous dit bonsoir Vous avez les déjà 4 fromages et Denver qui est membre Depuis aussi 6 mois Alors c'est pas 6 mois parce que je pense que tu as dû arrêter Un mois ou autre comme ça Parce que t'étais membre depuis bien un petit peu avant Parce que quand on s'est vu c'était déjà il y a perpète Ah putain et Denver aussi Il va falloir que je t'appelle parce que Ou qu'on s'appelle parce que je crois qu'on se voit bientôt Voilà Et il faut que je Voilà Il faut que je vois parce que euh, Voilà le samedi soir, j'ai du monde. Mais j'ai personne dans l'après-midi, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais le samedi soir, j'ai du monde. Euh, voilà, donc euh, on va sortir. Sur l'un, j'ai refait un compte car l'ancien compte était sous Google, niveau sécurité, c'était pas top. Bon. Tu as un serveur Discord ou pas Bien sûr, mon serveur Discord est sous, sous toutes mes vidéos euh, YouTube. 100% de mes vidéos YouTube, il y a mon serveur Discord. Et je crois même que sur ce live, dans la description, tout en bas, il y a le serveur Discord. Mon Instagram, tout ça. Bien, c'était bien long. Et alors, je vais en prendre 4, hein, j'en ai rien à foutre. Il y a un mode, je crois, qui vous permet de... Bah alors là, du coup, ça pète un peu le jeu, il n'y a plus d'intérêt, quoi. Il y a un mode qui, euh, en fait, fait que les produits arrivent directement dans le stockage que vous avez prévu à cet effet. Mais je ne l'ai pas installé parce que je trouve que là, il n'y a plus d'intérêt en fait. Tu fais juste commander puis tu attends que l'argent monte. C'est pas ouf. Là, on va y aller. Les yogourts Ou les yaourts. Ou les... Comment vous dites yogourts Oh Ah bah oui, c'est Denver. C'est le message de Denver. Oui, je confirme, tout est tout en bas. Bah oui, oui, c'est sur chacune de mes vidéos, il y a toujours tout en bas. Euh, les moyens de me contacter sur Discord, sur Facebook aussi. J'ai un Facebook parce que je suis un vieux con. Euh, sur euh... Telegram, pas du tout. J'ai pas de Telegram. Enfin, je m'en sers. Si, enfin, j'en ai un, mais je ne m'en sers jamais. Je... je vois pas bien l'intérêt de Telegram. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Putain, mais il est où Il est là. Et voilà. Bon. Eh ben on est pas mal. Ah, bah tiens, regardez. Je viens de mettre du café. Giorgio, il va le mettre direct. J'ai vu qu'il y avait plus trop de, de Javel, là. Pas celle-là, mais l'autre. Allez où, la Javel On va recommander une petite Javel, non Ça vous dit ou pas Ouais Allez, là, France. Ça veut rien dire. Allez, une petite Javel. Au oh, pied. Hey, attends faire queue. On va prendre une autre petite comme ça. Et voilà. Boum, boum, badaboum. stack Javel verte. Euh, la javel verte, ça va être par là. Ça va être là. Là, ça c'est bon. La javelle verte et la javelle blanche, euh, la... c'est où Putain. Alors, attends, il y a un truc que je comprends pas. Il n'y a pas de PQ là. Comment ça se fait qu'il ne m'a pas alerté Parce qu'il en reste peut-être genre 3-4 dans un autre stock. Ah, oui, il en reste un. Bon, allez, on va repartir sur un petit. Allez, c'est parti. À chaque fois, je paye deux balles de livraison. Ça me fait. Yesh. Allez on y va, on va lancer la journée suivante parce que là ça me court sur les rouge tongues J'ai envie de gagner du fric pour euh, avoir de nouveaux produits à vendre. Salut à tous à tous, la boule, mais c'est quoi ce jeu d'action de fou furieux C'est incroyable, regarde, attention, je peux y jouer les mains sur la tête. C'est un jeu où tu gères ton supermarché simulator. Donc ça, ce sont mes employés qui ne se ressemblent pas du tout. C'est pas du tout la même personne. On croirait, mais non. Et donc, ton but, c'est de remettre en rayon ou alors d'embaucher des gens qui le font, d'avoir de nouveaux produits avant dans ta supérette, d'agrandir ta supérette, notamment avec ce carré là où je ne peux pas y aller encore, mais qui coûte 20 000 balles pour euh, avoir ce carré. Et euh, voilà en gros le principe. Euh... Ah, bah c'est cool, j'ai un nouveau follower sur Instagram. Voilà. Ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Instagram, j'ai je... pété là, la semaine dernière, j'ai pris genre. Euh... 30 abonnés, 30 followers, comme on dit, 30 machin. Oh là là, Denver qui régale Denver qui régale, je le dis déjà parce que je vais le voir dans 30 secondes, mais... Je suis à 628 followers sur Instagram. Le café Narvalo Ah putain, José Lamou, j'ai pas la ref. Pourquoi C'est quoi la ref de Narvalo Le café Narvalo, ça résume tout, j'ai pas la ref. Tu as vu mon message Sur Discord Denver, oui, on s'appelle de la semaine. J'ai eu des nouvelles pour un de nos projets. Oh, oui, Denver, merci. Denver qui régale avec 20 euh, E direct comme ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça régale, comme on dit dans le pays du daffinois. Ça, veut rien dire. ça régale bien. Les rouflaquettes. Merci, Denver. C'est un amour. Ah, c'est un mot gitan pour dire fou malade. Putain, Narvalo, d'accord, mais c'est presque une insulte peut-être, et moi j'arrête pas de le balancer, mais euh, non, je ne connaissais pas, je n'ai pas les refs de, je connais pas, j'ai pas beaucoup de potes gitans, hein, pour rien te cacher, euh... mais voilà. Euh... Ritano! Pop 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 pop. Voilà, ma culture euh, des gitans s'arrête ici. Ah, et aussi avec les Gypsy Kings. Est-ce qu'ils sont gitans? Putain. J'espère que j'ai pas fait une putain d'erreur diplomatique. Le mec, il, dit, il chante git... gitano. Il doit être gitan. Euh... Merde. Comment il s'appelle l'autre là? Enfin, l'autre. Gitano! Putain, je les mis où mes sushis, bordel? Là? Non. Là? Pourquoi j'en ai. Mais putain, je me suis fait avoir. Il était en train d'aller chercher les les, les, les les machins. Purée, je suis bien. Bon, bah ben c'est pas grave. Euh, on va faire ça. On va le poser là. J'en ai rien à foutre. Et les spaghetti. Les spaghettis. Voilà oh lui par eux partout sans partie. Mon lait je peux le poser ou pas Putain. Non. Vous voyez on n'en vend plus. Tout à l'heure j'en ai pas arrêté d'en vendre, là on en vend plus. Il en reste 26. Ça c'est quoi C'est du truc... Euh... Ben on n'en vend pas. On n'en a pas vendu un seul. Et en bas, c'est du Harris, là. On en a vendu que dalle. Voilà. Ça, ça me casse les robignoles. Mais c'est un peu le jeu qui est fait comme ça pour que ça soit un peu aléatoire, vos ventes. Il y a des joueurs où vous allez vendre, machin, et les joueurs où vous n'allez pas vendre. Moi c'est Kenji Girac, merci Licorne. Un peu ouais, enfin ça dépend à qui on le dit, quoi. Ouais, vrai, moi c'est pas dans le manque de respect du tout. Je parle du principe qu'on est à peu près tous égaux, tous euh, différents et tous euh, égaux. Voilà. En droit et en tout ce que tu veux. Pas en, pas en bogossitude, parce qu'on voit bien que je suis largement supérieur à la moyenne euh, des, des gens. C'est faux. Donc je disais Gros sushis Bah non, je vais pas recommander des gros sushis. Ah bah tiens, maintenant je peux les remettre mes gros sushis. Oh putain, c'est les petits sushis. Merde Oh là là, là. Donc je disais, je suis allé à la Gamers Assembly et j'ai passé un très très bon week-end. Voilà aussi la raison pour laquelle je n'ai pas fait de live dimanche. Parce que je suis reparti le dimanche. Et je me suis levé très tôt le dimanche à 8h pour aller filmer la Gamers Assembly. Et je suis reparti en début de soirée, en fin, fin d'après-midi on va dire, en fin d'après-midi vers ma Normandie. Parce qu'à un moment donné, bon c'est bien la Gamers Assembly, mais à un moment donné il faut aussi profiter du week-end Pascal pour faire autre chose que de filmer des gens qui jouent à des jeux vidéo. En plus moi je jouais même pas, donc tu vois encore limite tu joues, tu fais bon bah ben, je reste le lundi, mais là j'avais trop envie de jouer quoi. Et puis voilà. Donc, j'ai passé un week-end euh, extrêmement original. Très bon week-end. Euh, voilà. Du vendredi soir au dimanche, euh, fin d'après-midi. Merde, ça va pour la Narvalo. Et... Voilà. Le jus d'orange. Et non, je ne peux pas le mettre. Il est 6h22, si je dois faire un achat, c'est maintenant, parce qu'après, je ne peux plus commander à partir de 21h. Donc 3, 3, 9, 24, 16, 13, 23, 8, 24, 101, 58, 16, 3, 3, 20, machin, c'est bon, il n'y a pas de truc à zéro. Oui, il y a coquillette, bim, 2, euh, 3, 12, 2, 1, 13, 4, machin, c'est bon. l'impression hein. qu qu'on est bien. J'ai eu cet objet là que je suis en train de catouiller depuis tout à l'heure en, en cadeau. C'est un truc assez marrant pour euh, d'un côté nettoyer euh, vos oreilles, mais nettoyer les produits, euh, genre les écouteurs, les trucs comme ça, et de l'autre côté, une petite truc un peu euh, grattoir euh, pour euh, atteindre les endroits un petit peu plus machin. Une petite mousse. Euh, voilà. Je ne sais pas si vous voyez grand chose parce que c'est petit, mais voilà. J'adore cet objet, très pratique. Pratique, parce que très pratique, c'est un peu genre j'en rajoute. J'ai refusé une sponsor aujourd'hui. J'ai refusé une sponsor avec une. Oh non, j'ai refusé deux sponsors dans, dans la semaine, on va dire. J'ai refusé une sponsor avec une marque qui fait des tablettes pour les personnes âgées. Je tiens à mon agent, Sœur, qu'est-ce que tu veux que je fasse J'aime bien le principe, tu vois, mais moi, faire une. Enfin limite, j'aurais pu aller voir des vieux, des, des personnes âgées, ça ne veut rien dire des personnes âgées, ils ont tous un âge des personnes, mais des personnes qui euh, ont, sont dans un EHPAD et faire un essai avec eux pour leur montrer la tablette et leur montrer tout ce qu'on peut faire avec. Ça, ça m'aurait bien plu d'avoir un, une vidéo dans un EHPAD, en fait, pour, pour, pour vulgariser le numérique avec des vieux. Putain, je viens peut-être de trouver un concept de zinzin. Putain, c'est peut-être un concept de fou, ça. Bon bref, euh, je vais voir avec les EHPAD que je connais et <laughs> Non mais euh, voilà, j'aurais bien aimé tester la tablette et l'offrir après à l'EHPAD Voilà, ça ça m'aurait pas dérangé Mais tester une tablette EHPAD pour dire Vous voyez elle a tant de machin mais Oh, 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 oh Qu'est-ce que ça m'intéresse pas en fait tu vois Donc j'ai dit non Et après j'ai refusé, ouais j'ai refusé aujourd'hui là un... Une sorte d'écran, vous savez une sorte d'écran HDMI 1080p Que vous pouvez brancher sur un, sur un PC et ils voulaient en fait une vidéo. Et ils me disent Bah non, on te rémunère pas, on te donne l'objet. Oui, mais moi j'en ai rien à de ton objet en fait. <laughs> donc, non, donc, non. Il joue à Valorant, c'est un ouf sur le jeu. Euh, Judge, euh, j'ai vu du Valorant. Hein. Salut à toi, mais j'ai vu du Valorant et j'ai vu, j'ai même suivi la finale de la Gamers Assembly. Et tu verras ça dans ma vidéo euh, dans 2-3 semaines. Qu'est-ce que tu racontes Arthur Tu veux envoyer des messages sur Discord Pourquoi tu veux envoyer des messages sur Discord, frère Envoie, parle-le moi là, je te parle. Euh, après si c'est intime, euh, bah tu me parles pas. <laughs> Parce que je suis pas psychologue ou je sais pas quoi, puis j'ai pas envie d'avoir d'emmerde moi. Pardon, si as... Hein. Sauf si tu Sauf si un problème informatique. Auquel cas le Discord, il est fait pour ça. Tu as une rubrique qui s'appelle Help, 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 je sais plus quoi. Help quelque chose. Donc tu peux poser ta question en informatique. Et si tu veux me faire une proposition commerciale, c'est mon adresse email qui est sur toutes mes vidéos. Et sur Instagram, et sur Facebook, et surtout. Voilà. Oh Attendez, je vous ai pas dit, enfin si je l'ai dit sur Discord. J'ai rencontré Pépé Garcia. PP World, pour ceux qui le connaissent, il fait partie de la team qui est, dans, euh, qui est avec Domingo. Il a une chronique dans Domingo, euh, dans Popcorn. Il fait partie, enfin peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, euh, ça y arrive. Et il, fait partie aussi de, il faisait partie aussi de l'équipe du stream. Et voilà, en live et tout. Donc j'ai parlé à ce monsieur. Et c'est là où vous allez voir, que je suis un vieux connard. C'est qu'en fait, on a parlé 3, 4, 5 minutes, quoi. Vraiment, euh, tranquille. Je lui parle du métier. Je lui dis, bah ben voilà. Euh, je Là, je vais peut-être aller à. Comment on appelle ça Au CIS de Las Vegas. Il me fait Ouais, tu vas voir, c'est génial et tout. Enfin, ouais, euh, nickel, quoi. Tu vois, je dis Bah, vous, vous avez fait l'IFA de Berlin, ça vaut le coup pas Non, non, il va pas, c'est nul, machin. Vraiment, on parle avec un moment. Et une fois il m'a dit Bah, merci, bah, bon courage, bon, bon, bon salon, machin. Je dis Salut. Et j'ai même pas pensé à faire un selfie avec lui. Voilà. Je n'ai pas pensé, c'est vraiment, j'ai pas pensé à faire un selfie ou un truc avec euh, pépé garcia j'aurais pu hein, j'avais ma caméra là en fait tu vois mais je l'ai pas je... en fait je, je suis un vieux parce que j'ai profité du moment mais du coup c'est là où le monde est un peu bizarre c'est que j'ai profité du moment avec euh, cette personne euh, voilà pépé garcia Mais mais j'ai pas je, je n'ai pas je, je vais pas je peux même pas vous le prouver c'est un moment à moi en fait c'est c'est voilà, j'ai quitté mon rôle d'influenceur cinq minutes pour euh, J'ai quitté le, ouais, le, le rôle d'influenceur bon cinq minutes pour parler avec un monsieur en fait. Et j'ai même pas euh, voilà, après j'aurais recroisé son le salon de demain, j'aurais pu dire, Ah, oh, Pépé, excuse-moi, est-ce que je peux te demander un petit euh, selfie s'il te plaît? Euh, merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi cinq minutes hier, voilà, bon, bonne journée et à plus toi, j'aurais pas été te faire chier. Mais tu vois, j ai, j ai, voilà, alors j'espère. Putain. J'ai... Je suis vraiment allé tranquille, quoi. Salut, tu vas bien, machin. Euh, je suis très content de te voir et tout, machin, etc. J'espère que je l'ai pas saoulé. Euh, voilà, c'est toujours euh, Le complexe en fait de dire putain j'espère que j'ai pas saoulé le mec en fait. Mais euh, après, voilà, Pépé, c'est pas non plus la star internationale. C'est pas comme si Gotaga allait à la Gamers Assembly. Voilà. Un Gotaga, oui, je suis d'accord. Un Gotaga, il est pas là pour poser de la moquette. Mais un Pépé Garcia, voilà, moi je le connais parce que voilà, c'est un peu quelqu'un qui a réussi dans le game en étant journaliste. Donc lui, il ne se fait pas rémunérer. Donc lui, par exemple, s'il a un test de produit à le faire, il va le faire. Mais il n'accepte aucune rémunération. Contrairement à moi, il n'accepte aucune rémunération et il dit, et je le crois, hein, et pas aussi, il dit, moi quand je dis qu'un produit c'est bon, c'est qu'il est bon, c'est qu bon. pas que une marque m'a dit il faut dire qu'il est bon, tu vois ce que je veux dire. Et je vais vous le dire clairement, autant je suis assez honnête, euh, voilà, quand je sens pas un produit, et la preuve comme aujourd'hui, je le prends pas parce que je ne vois pas l'intérêt, mais J'aime bien cette façon de voir en fait. C'est à dire qu'en gros, euh, quand, quand il dit que c'est un produit génial, il est génial. Et il fait son analyse lui-même. Putain, mais pourquoi le produit je peux pas le mettre là Il fait son analyse lui-même en fait. Il a pas besoin que des gens. Mais merde Oh putain, le bug Qu'est-ce que c'est que cette merde Putain, mais c'est quoi cette daube Ça, c'est un bug à la con. Mais regardez, je peux même pas le mettre mais putain, fermé. Lancer R. Ne peut pas te lancer ici. Poser G. Putain, mais. Oh, c'est bon. C'est bon, on peut me casser les euh, Les sushis, on peut pas. Mais voilà, donc j'ai rencontré Pépé Garcia. Je suis très content. Euh, j'ai une petite question. Ça sert à quelque chose d'être en Ethernet, sachant que j'ai une connexion Merde, je vois pas. Attends, bouge pas, je fais la table nul à la base. Euh, alors, j'ai peine par gagner les réponses des autres et comme ça, je vais pas me spoiler ce qu'ils ont dit. Comme ça, tu auras mon avis à moi sans être influencé par les autres. Oui, c'est toujours bon pour plusieurs raisons. La première, et attention, je réfléchis, euh, j'ai pas dit euh, un nombre de raisons parce que j'en sais rien combien jusqu'où je vais arriver. En fait, j'en ai vu déjà au moins deux. Première raison, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas une bonne connexion. Certes, je te l'accorde et je te crois, il va de souci. Mais demain, c'est-à-dire que si tu n'as pas une, un bon réseau Ethernet. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas en avoir un, d'ici quelques semaines, mois, ou j'en sais rien. Je te souhaite de l'avoir quand tu peux. Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer Et bien bah, du coup, tu ne seras pas prêt. Tu auras la fille, mais tu ne pourras pas en bénéficier à 100%. Donc, première raison, oui, ça vaut le coup, si tu as une connexion de merde, de faire éventuellement des travaux. Deuxième raison, si tu es propriétaire, quand tu euh, souhaites revendre ta maison, c'est quand même plutôt sympa de dire, écoutez, vous avez quatre prises Ethernet, une à l'étage, euh, une euh, au sous-sol, une, euh, une dans le salon et une dans la cuisine, tu vois. C'est aussi un argument de vente qui, hier, ne servait à rien. Parce que moi, j ai, j ai, les gens, quand je suis allé visiter ma maison où je suis dans cette pièce actuellement, l'une des premières questions que j'ai posées, c'est « Bonjour, comment ça marche Internet ici ?» Et je suis un petit peu, à l'époque, ma maison, je l'ai acheté en 2007, je suis un petit peu passé pour un Uluberlu. Parce que la dame se dit bah, « Pardon, votre… » Voilà. Et à vous plaît, sinon, la maison Oui, mais non. Mais Internet, vis-à-vis d'Internet. <laughs> J'étais un... Donc voilà, j'avais la DSL ici, et donc ça me suffisait. Mais s'il n'y avait pas la DSL, vraiment, je vous le dis comme je le pense, je n'aurais pas acheté cette maison. Voilà. La DSL, c'était le minimum syndical. À l'époque, il faut savoir que je jouais à World of Warcraft. World of Warcraft Plutôt en team, genre bien, quoi, tu vois, genre trois fois par semaine, tu vois. Donc je ne pouvais pas me permettre de quitter ma guilde parce que je changeais de maison, etc. Donc j'ai bien pris une maison avec au moins un ADSL. Et très vite, euh, donc moi bah je, je suis chez je Orange depuis euh, très longtemps parce que je suis en Guadeloupe. j'ai déménagé ma ligne et je me suis mis en ADSL. Et très vite, comme je disais, j'ai pu passer au VDSL. Euh, en, bord, en bord de ligne, parce que c'était vraiment tendu du string, c'est-à-dire que 5 mètres plus loin, j'étais en ADSL, quoi, tu vois. Et euh, ça m'a bien dépanné, je pouvais jouer en ligne, etc. Mais merde J'ai ça en trop. Et euh, voilà. Bref, donc ça, c'est mes raisons. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre raison Oui, parce que ton ping va être plus petit. Le ping, c'est. Enfin, on va essayer de simplifier. Le, tu vas avoir moins de temps de réaction, si je puis dire, quand tu vas envoyer une information sur Internet. Par exemple, tu joues à un jeu type Fortnite ou Valorant. Valorant. Sur Valorant, quand tu vas cliquer pour être sur la tête du monsieur, pour le, pour le buter, je ne sais pas quoi là, et eh bien quand tu vas cliquer, il va se passer un certain nombre de millisecondes. Donc ton ordinateur, ton moniteur... Ton, ta connexion Internet peut te faire perdre du temps entre la vraie position où est le jeune homme que tu vises et euh, la, la position en fait où il est exactement à, à cet instant T. Et ce décalage qui se compte en millisecondes la plupart du temps, ce décalage peut être très handicapant si tu as 100 MS de, de ping, enfin euh, voilà, bah, c'est beaucoup trop parce que tu as un dixième de seconde de retard par rapport aux autres. Donc, déjà, tu pars avec un malus parce que quand le mec il va s'en trouver face à toi, toi, tu vas avoir un millième, un centième de seconde, pardon, un dixième de seconde avant de voir le mec en face de toi. Alors que l'autre, il a un pic de, de, de 8 et qu'il l'a vu euh, largement avant toi. Donc, il a un dixième d'avance sur toi et te tue avant que tu le tues. Et là, tu dis, waouh, ouais, je suis trop nul. Non, c'est aussi ton pic. Voilà, j'ai donné trois raisons. Je vais regarder ce qu'ont dit les commentaires quand j'aurai trouvé mon sucre glace. Pour voir s'ils si disent la même chose que moi. José Lamoule. Ah bah, go prendre un catégorie 6 au plus, ça coûte pas grand chose. Ouais, genre, c'est un catégorie 5. C'est toujours mieux que le reste. Oui, José Lamoule. Il mérite plus d'abonnés, quand même. Tu parles de qui euh... Bonsoir, Pistache. José, mais il y a les catégories 8. Non, mais arrêtez, les mecs. On est en train. Moi, je, je suis pas dans la course à la catégorie. Si ça vaut le même prix. Attends, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si ça vaut le même prix entre un catégorie 6A et un 7, il faut aller regarder. Ok, pas de souci, pas s'emmerder, prendre le 7. Si ça vaut le même prix entre un 7 et un 8, il faut pas s'emmerder, prendre le 8. Mais si c'est plus cher, ça sert à rien de prendre du catégorie 8, les mecs. Vous êtes des ouf Vous êtes des ouf Si ça coûte plus cher, ça vaut pas le coup. Si ça vaut le même prix, il faut foncer. Et voilà. Moi là, j'ai du catégorie 5e et euh, pour avoir parlé avec fondu il y a pas si longtemps que ça, euh, voilà. Lui il a du 5e et il me disait qu'il pouvait monter à plus d'un Giga, euh, voilà. Alors théoriquement c'est censé être un gigabit de 5e et euh, voilà. Mais après peut-être que peut-être que ce que je dis c'est des trucs complètement cons. Mais à ce jour, si tu vas en gigabit sur internet, mais aussi sur ton LAN ça me paraît un petit peu suffisant déjà, tu vois ce que je veux dire, gigabit. Faut bien vous dire qu'en entreprise, dans les euh, liaisons entre les serveurs et euh, les clients, les, les, les PC, euh, je connais pas de sociétés. Euh, après il y en a peut-être chez Google, hein, mais, euh, ou chez Microsoft, ou chez Amazon, mais je ne connais pas de sociétés qui sont en 10 gigabit. Hein. Toutes les sociétés sont en... Bon, 100 mégas, ça n'existe plus trop, mais sont en gigabit. Hein. Ils ne sont pas, pas plus que ça. Hein. Gigabit, c'est largement suffisant pour faire tout ce que tu veux. Après, les serveurs entre eux, oui, on a des liens largement. Et ça, voilà, voilà c'est du lien 10 gigabit. Au, je vais dire au minimum, non, mais c'est du lien 10 gigabit. Notamment pour les stacks entre les switches, c'est du 10 gigabit, etc. Et le, la liaison avec votre serveur Proxmox ou VMware, vous pouvez la mettre en 10 gigabit. Et redondez, vous en avez deux, comme ça, vous faites du failover. Et vous pouvez même faire en même temps du load balancing. Euh, voilà. Oh putain, j'ai balancé des mots compliqués, je comprends même pas ce que j'ai dit. Je déconne, putain. Alors, euh, 5e, c'est ce que j'ai aussi. Bah oui, ça suffit, José Lamoule Après, si tu, euh, si tu refais les câbles, autant prendre du 7, si c'est le même prix. Mais si ça vaut euh, deux fois le prix, non, faut, faut, faut pas faire ça, en fait. Et après, les gens, ils vont me dire, ouais, mais moi je préfère mettre un câble 8, au moins je suis tranquille pour la vie entière. Ouais, ok, quel câble 8 t'as mis Parce qu'il y a différentes normes de câbles. Il y a des câbles UTP, il y a des câbles FTP, il y a des câbles machin. Et donc le blindage qui va être autour de. Putain, il est où le sucre Le blindage qui va être autour de votre câble, ça, ça va faire aussi la qualité de votre connexion. Concrètement, si vous avez un câble. Il est là. Concrètement, si vous avez un câble. Euh, je crois que c'est FTP qui est nul à braire. Bah, en gros, il n'y a pas de blindage autour. C'est le câble nu comme ça. Et ça. Pff, vous avez beau avoir du catégorie je sais pas quoi, vous allez mais avoir une connexion de merde. Il y a quelqu'un qui va mettre son micro-ondes, vous allez perdre 30% de votre bande passante, quoi. C'est un truc de merde. Donc il vaut mieux avoir un bon 5e bien blindé avec euh, F SFTP. -S tu vois, un vrai truc euh, voilà, pas un câble UTP, tu vois. Et là, parce que je crois que j'ai peut-être dit de l'inverse tout à l'heure. Et là, vous êtes tranquille. Je vais aller voir, hein, parce que là, vous m'avez saoulé. Vous m'avez saoulé Vous m'avez saoulé Amazon. Euh, oui. Alors, je suis désolé, je n'ai pas de lien. Si, j'ai un peu des liens avec Amazon parce que j'ai parfois des liens sponsorisés. Euh, donc, euh, Amazon, câble, Ethernet. Voilà, câble Ethernet. Euh, bobine. C'est comme ça qu'on appelle bobine. Voilà. On a ici du catégorie 5E. Donc, qui va à 1 gigabit. C'est marqué encore ici. Euh, 100 Hz machin, 100 MHz Ce câble est à 92,38€ de la marque Mister Tronic Voilà, Mister Tronic Alors c'est sponsorisé euh, Voilà, je pense qu'il paye pour être là Mais je vais essayer d'avoir, parce que j'aimerais bien aimé avoir toutes les catégories Pour être dans la même marque, parce que forcément si tu changes de marque entre deux Voilà, là ici on a du catégorie 6 100 mètres en vrac entre guillemets Regardez ce blindage Voilà, c'est ça que je voulais vous dire Regardez ce blindage de merde UTP c'est de la merde, regardez ce blindage. Il est où le blindage Eh bien, il n'y en a pas. Il y a pas de blindage dans ce câble de merde. Il y a que dalle en blindage. C'est un câble de merde. Voilà, je vous le dis. Enfin, de merde. Ce n'est pas un câble qui va pouvoir supporter des. De, comment on appelle ça Comment on appelle ça De la. Ouais, des, 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 des phénomènes autour, en fait, du câble électrique, machin, etc. Il n'y a aucun blindage. Il n'y a pas. Vous voyez, il n'y a que des fils comme ça à nu. C'est un câble catégorie 6, je vous le dis. Si vous le passez dans, les, dans le placo et vous passez à côté du courant électrique, si vous êtes à côté d'un micro-ondes, si vous êtes à côté d'un truc, vous pouvez avoir des paramètres qui vont être euh, nuls à chier. Vous pouvez perdre de la bande passante. Pourtant, vous allez dire, je comprends c'est un câble catégorie 6, il m'a dit de la merde, salut nous Non, ne prenez pas ce câble UTP. Voilà, ça, c'est de la merde. C'est du câble de merde. Alors, <laughs> mais qui se vénère pour un hein. Câble bobine, 100 mètres. Voilà, cool. Donc là, catégorie 6 on est dans du câble non blindé UTP. C'est de la merde. Ça, câble UTP, c'est de la merde. Câble UTP, c'est de la merde. Câble UTP, c'est de la merde. Bah, n'y a que ça. Donc, ne prenez pas des câbles, des bobines comme ça, en câble avec marqué UTP. Il n'y a pas de blindage. C'est dans la merde. Des perturbations électriques et électroniques. les oui, cornes. On va regarder dans le câble 5E. Alors, je n'ai pas d'action chez Marc Mister Tronic, ni chez Amazon. Ben non, ils vendent... Eh ben ils vendent de la merde. Voilà. Alors, bobine. 100 mètres. Bobine Ethernet, catégorie 100E. Ah là déjà, on a quelque chose qui me plaît bien. Ah oh bah ben tiens, c'est celle que j'ai achetée. Voilà, c'est celle que j'ai achetée. C'est celle que j'ai achetée, je l'ai encore là-haut. C'est du S. Ah non, c'est du FUTP, donc ce n'est pas celle que j'ai achetée. Non, vous voyez là, y pas, y un, un il y a pas, il y a un petit blindage. C'est-à-dire qu'il y a un petit filet, un petit, oh, comment on appelle ça une, une feuille d'alu, Mais ça reste euh, des paires torsadées et ça reste sans protection de chacune des paires. Mais... Putain, il n'y a pas des... Putain, c'est quoi cette marque Lumonique. Lumonique. Attendez, Lumonic 100M 5E SFTP. Je pense que c'est ça le truc qu'il faut. Oui, ben c'est du catégorie 6, mais voilà, on est pas mal. Voilà le vrai prix d'un vrai câble. Alors, je n'ai pas, encore une fois, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais je pas d'action chez Lumonic. Hein, on s'en bat les couilles. Voilà. Là, ici, vous avez deux, un vrai blindage de type SFTP. Regardez, c'est marqué là, SFTP. Et là, on est d'accord, c'est blindé. Regardez les fils, c'est à la fois une feuille plus des, des petites paires torsadées, etc. Euh... <laughs> oui. À la prochaine fois, euh, Arthur. Euh... Et là, on a chaque paire, vous le voyez là sur le verre, chaque paire est à nouveau entourée d'une fi... d'une un... d'une feuille pardon d'aluminium. Ça, c'est le SFTP. Et ça, oui, c'est bien. Ça, c'est bien. Le SFTP 4-6, c'est bien. On va garder le prix 63 euros. 63 euros les 100 mètres, catégorie 6 de FTP. Et du coup, on va faire. Merde. Euh, 4, 5, E. Je ne sais pas s'ils en ont encore. J'ai l'impression que non. C'est du UTP. <laughs> Oui, non, c'est du 6. Alors là, il y a encore moins cher. C'est pourquoi SFTP Ah, oui, d'accord. Ah, oui, d'accord. Je fais genre, oui, c'est d'accord. Genre, j'ai rien vu. Je comprends pas pourquoi. Non, je comprends pas pourquoi c'est 34. Je sais pas ce que ça veut dire, PIMF. Bah, il est marqué là aussi. Euh, non, je ne sais pas pourquoi. Là, euh, on est à 63 et l'autre, il est à 33, quoi. C'est pour ça que je voulais trouver la même marque. Vous voyez ce que je veux dire Ah merde c'est du ETP Merde ben, je trouve pas Bon 63 euros Mais là il y a 34 sans bobine quoi FUTP faut pas prendre celui-là C'est de l'UTP C'est de la merde. merde Putain mais on va pas trouver hein Ethernet Ethernet Internet 100 mètres, catégorie 7. Alors, combien ça coûte Ah oh, putain, SFTP. Prenez pas des câbles de merde. Voilà, là il y en a une bonne. Bon, bah du coup, ça vaut pas le coup de s'emmerder à prendre du catégorie 6. Ah non, c'est 50 mètres. Tout le monde se calme. Tout le monde se calme. 89,90. Alors que était à 67 pour du catégorie 7. Voilà. Donc, le catégorie 7, je vous rappelle, la compatibilité avec 10 100 000 et 10 gigas. 10 gigas, basté, voilà, 10 gigas. Donc là, là, je comprends l'intérêt de passer au 7. Et là, quand tu refais toute ton électricité, enfin ton courant faible à la maison. Oui, oui, oui. En SFTP, ça vaut le coup de passer en catégorie 7 pour 89 euros. Tu achètes 100 mètres, avec 100 mètres, tu fais déjà 2-3 bricoles. Et honnêtement, quitte à le changer une fois tous les 20 ans, oui, ça vaut le coup d'acheter une bobine à 89,90 au lieu de 60 balles. Ça vaut le coup de payer 20% pour avoir du catégorie 7 où tu seras tranquille. Je ne sais pas s'il existe le catégorie 8. 8. Ça m'étonne un petit peu, mais oui, c'est bon. Et là, on a du Red Star SFTP. Ce n'est pas la même marque, c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément comparer. Mais le catégorie 8... 100 mètres, eh bien, euh, est à 102 euros, donc encore un petit peu plus cher. Vitesse de transmission jusqu'à 40 gigabits. Avec ça, vous êtes tranquille, mais loulou. Voilà. 40 gigabits. Vous n'êtes pas prêt d'être <laughs> emmerdé. Je vous rappelle quand même que euh, Orange, SFR, Free, euh, Bouygues déploient la fibre en France, Il y a plein de pays, de, pays, de régions qui n'ont pas la fibre. Et qu'aujourd'hui, déjà, avoir un. Un, comment on appelle ça? Un, une collection en fil, c'est pas donné à tout le monde. Voilà Voilà ce que je voulais vous dire. 100 balles, t'as une bobine de 8Go, de 8, gigas, de, 8 euh, de catégorie, pardon. Franchement, ça va. Ça va. On va commencer la journée. Parce que mon nez, il faut jouer. Voilà. Qu'est-ce que vous dites d'ailleurs? Salut, Eddy, pour refaire un réseau total d'une maison avec prise d'énergie 45 TV et Internet, tu penses que du grade 3? Je ne sais Alors, Jérôme salut à toi. Tu as un prénom splendide parce que je m'appelle Jérôme. Euh... Je ne sais pas. Je... Vraiment, premier degré. Je suis informaticien. Bonne nouvelle à l'OM. Je... je te jure que c'est vrai. Je ne sais pas ce que ça veut dire du câble grade 3, je ne sais pas quoi. Ça, c'est de la IFI. C'est pas de la... Mais je vais rechercher pour toi. Ne t'inquiète pas. Pour... Je... Je... Voilà. je ne sais pas ce que ça veut dire, le câble grade 3, je ne sais pas quoi. Donc, câble Ethernet, c'est marqué quoi Grade 3 TV, 3 SAT. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Catégorie 8, je sais ce que ça veut dire. Mais tu vois, il ne parle, il ne, il ne parle pas de grade 3. Tu vois, câble Ethernet, grade 3. Alors, on va juste chercher 3, 3 TV, déjà. Voulez-vous dire grade 3 TV Asie, ouais. ethernet 3M. 3 mètres. Oui. Mais RJ45, c'est pas marqué grade 3. Tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas ce que ça veut dire, euh, les trucs comme ça. C'est pas de l'informatique. La... Enfin, euh, câble grade 3 équivalent R euh, Ethernet. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, grade 3, ça doit être du catégorie 6. Et ben voilà on, a, on apprend tous les jours. La preuve, j'apprends grâce à toi, Géronimo. Merci à toi d'avoir posé cette question extrêmement utile. Donc, on apprend quoi Grade 3, réseau VDI, voix, donnée image. Très bien. Morgan qui nous fait cet article, merci à toi, Morgan. Il nous fait un petit article. qui dit un câble Ethernet grade 3 et un câble Ethernet catégorie 6, ce n'est pas la même chose. Merde. Le terme. Câble RJ45 grade 1, 2, 3 est utilisé dans le domaine domestique. Le câble Ethernet catégorie 5, 6 ou 7 est utilisé dans le domaine de l'industrie et, en l'occurrence pour moi, de l'informatique euh, en général. Le grade, tais-toi, le, <laughs> le grade grade est une norme UTE. Pff La catégorie est une norme ISO, très bien. La norme française, j'en ai rien à foutre. La TNT est du 900 MHz. Le satellite, c'est encore plus 2150 MHz. Donc si vous souhaitez faire passer. Par vos câbles RJ45, la TNT, pourquoi pas le satellite, il faut prendre un câble Ethernet le permettant. Ci-dessous, un schéma putain qui ne s'affiche pas. Regardez, il ne s'affiche pas. Je vais faire CTRL F5. Merde. Merde, il s'affiche pas. Merde. Merde, il s'affiche pas. Mais bah, attendez, je sais pas comment... Non, mais en fait, c'est pas si terrible ce site. Putain, il y a que qui font ça. Bah attendez, il est là. Grade 1. Waouh, attendez, j'essaie de comprendre la, la, la vie là. Internet au débit. Légende, une étoile, c'est minimal. Adapté, recommandé, inadapté. Télévision en bande intermédiaire satellite. Grade 4, c'est même, euh, inad... même pas adapté. Je comprends rien. Réseau local domestique gigabit. Grade 1. Mais putain, c'est quoi l'équivalent Ah Voilà. Alors le grade 1, c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde C'est du câble de catégorie euh, un peu 4 ou 5. Parce qu'il va à 100 mégabits. C'est un câble qui va à 100 mégabits. Donc câble et 100 mégabits, on est sur du catégorie 5 tout court, pas du 5E. Le débit du réseau Ethernet, 100 Mbps, peut cependant poser problème pour la lecture des vidéos volumineuses. Oui, donc ça, c'est de la merde, il faut arrêter, il faut les jeter. Le matériel nécessaire, un câble Ethernet. On s'en fout. Grade 2, ce n'est pas une grosse évolution par rapport au grade 1. La seule différence est l'amélioration des câbles utilisés. Passage d'un câble de 100 MHz à 250 MHz en améliorant la qualité du réseau informatique. Mais c'est toujours à 100 Mbps, c'est donc de la merde. Le grade 3, c'est le signal TV satellite qui est acheminé via, un câble, un câble, via le câble réseau et non plus via des câbles coaxiaux. Le réseau Ethernet peut atteindre 1000 Mbps 1 Giga contre 100 Mbps. Alors, non, il y a un souci, il a marqué 100 Mbps. 100 Mbps max en grade 1 et 2. Donc, le grade 3, en fait, c'est du catégorie 5e, en fait. Hein. Voilà. Hein. Euh, après, il y a des mégahertz Voilà. Le grade 3S, c'est le satellite en 2200 MHz ou grade 3TV. Dernier nom à donner à ce câble. Avec une paire. Une paire sur les quatre spécialement dédiée aux satellites. Euh, voilà, des prises RJ45. Voilà, des prises RJ45 et blindage en catégorie 6 ou catégorie 6A, c'est mieux. Donc, en catégorie 6, ça suffit. Voilà, grade 4, la fibre optique remplace les fils de cuivre habituels. Pour le moment, cette solution est très peu répandue. Elle, elle apporte peu de plus-value par rapport au grade 3. Donc, le grade 3, c'est l'équivalent, je pense, du catégorie 6 ou même du 6A. Et la seule chose que je ne connais pas, c'est le MHz, les MHz euh, d'un câble euh, Ethernet euh, 4-6A. 4, les MHz, par exemple, si on prend ça, alors on est d'accord, c'est une marque de merde parce qu'il faisait que de l'UTP. Ah, 250 MHz, vous voyez, là, potentiellement, vous pourriez avoir des merdes, en fait, avec les 250 MHz. Et si je regarde la catégorie 6A… Et si j'ai un 2500MHZ Ah, là, vous voyez. Câtre, câble catégorie 8. Euh, 50 cm, 5 pièces, cabrezo réseau, machin. 40 gigabits, 2000 MHz, vous voyez. Ouais. J'y comprends rien. Euh, voilà. En gros, en catégorie 6, je pense que tu ne seras pas embêté. Salut, GoxuMax Genre moi je suis pas très renseigné informatique vu mon âge, logique, mais où et comment brancher un câble Ethernet Oh putain les mecs on est en train de faire un dépanoub déjà ou bah dans ton cul Ou brancher un câble Ethernet bah sur une prise Ethernet, sur une prise RJ45 frère Frère Pose-toi les bonnes questions Il a pas de questions, Idiot. Euh. Salut Eddy, pour faire un réseau total, bah c'est bon, ça j'ai répondu. Enfin, j'ai répondu, j'ai essayé de répondre. Euh, ok merci bien. Je voulais je fais jouer à Tekken. Oh Tekken. Bonne soirée à toutes et à tous. Salut mon petit José moule Il y a un gros bug dans ce jeu. Enfin c'est pas un bug c'est un truc chiant c'est que quand là j'ai fait alt table la journée ne s'est pas passée. Dès que je fais alt table la journée s'arrête. C'est un peu nul. Je bois beaucoup. C'est pour ça que je vous dis que je vais pas faire 50 lives sur ce jeu parce que bon à un moment donné, voilà, bon, 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 à un moment donné, à un moment donné, on, on va se le dire, hein, c'est pas non plus le, le, le jeu de l'année, quoi. Mais j'ai joué 30 heures. Putain de merde. Pas possible. Bref. J'ai des vidéos de zinzin qui arrivent. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Mais je vous leur dis. J'ai des vidéos de zinzin qui arrivent. J'ai des vidéos de Zinzin qui J'ai des vidéos de Zinzin qui Voilà, je sais pas comment vous le dire. Là déjà, je vous ai dit tout à l'heure, hein, je vous ai parlé de la gaming, la gamers assembly. Bon, déjà, c'est déjà pas une vidéo où je réagis à, à des gens qui, 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 qui installent des PC. Tu vois, c'est déjà un peu plus... Euh, voilà, il y a un peu de budget dedans. Euh, le machin, euh, voilà. Mais ça, la gamer s'assemblée, c'est c'est rigolo, quoi par rapport à ce... oh là 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 vous êtes pas prêts j'ai des trucs qui sont même pas encore négociés enfin qui sont négociés mais qui sont pas qui sont pas validés mais si ça se fait oh c'est des trucs de zinzin mais je n'en parle pas parce que ça ça pourrait me porter malheur j'y crois à ces conneries en fait j'y crois pas je crois pas en ça mais je me dis putain le karma quoi le karma Karma, karma. Le karma Ça j'en parle pas. Mais là potentiellement... <laughs> Les trucs de saint qui arrivent C'est incroyable J'ai craché son micro. Euh, ouais, je suis pas renseigné. Bon bah je dois aller dormir. Salut Zayox Téma la taille de la vessie. Si tu bois beaucoup. Oui, j'en ai une très grosse. Décis. Si. Au bout d'un moment, c'est répétitif le jeu de la marchande. <laughs> ah, c'est ça. Mais là, oh bah en bas, on a 6371. Alors là, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est la dernière journée. Enfin, c'est pas la dernière. Mais après, on va faire des investissements dans cette euh, supérette. pour avoir de tout nouveaux produits. Donc, je pense qu'on va refaire peut-être une journée derrière où on va s'arrêter là, je ne sais pas. On va acheter. Mais on va acheter une nouvelle licence pour mettre de nouveaux propos, de nouveaux produits. Ça, ça va être cool. Mais après, j'ai parlé aussi. Ta euh, faute, Licorne. Euh, Il y a des vidéos de zinzin qui arrivent, je ne sais pas. En fait, je suis en train de faire un live et en fait, c'est important. Franchement, je vous le dis, c'est important de se détendre, de ne pas penser qu'à YouTube et ou au, euh, au machin. Mais là, il y a des vidéos de cinzin qui arrivent. Merde, j'ai plus de PQ. Il y a des vidéos de cinzin qui arrivent. C'est un truc de malade mental. Allez, le PQ Merde, c'est pas le PQ. Il y a des vidéos de Zinzin qui Ah merde, je peux pas en mettre deux Si. Je vous ai dit qu'il y avait des vidéos de Zinzin qui arrivaient. Ah oui, peut-être. Quoique. Mais alors, je vous le dis quand même pour que vous l'ayez. Il y a des vidéos de zinzin qui arrivent. Un truc de gueudin. Je suis un peu chiant. Je l'admets, je l'avoue. Je, je. Voilà. Je plaide. Qu'est-ce qu'on dit je, je. Je plaide amende honorable Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça la phrase. Je. Je sais pas quoi. Non, ça va être euh, extraordinaire. Et euh, voilà. Mais vous savez que euh, y a, dans une FAQ, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais dit que je ne pourrais pas quitter mon métier pour faire que du YouTube. Parce que c'est trop de pression, YouTube. Hein. YouTube, honnêtement, si ça marche pas, euh, il faut que ça marche. Hein. Parce qu'après, vous mangez avec ça, en fait. Et si vous n'avez pas mangé, euh, il voilà, y a une famille à nourrir. quoi. Tu vois ce que je veux dire Mais je me dis, euh, putain Et si Et si Imagine un jour, je sais pas, tu buzzes sur une vidéo à la con. Hein Putain. En fait, c'est qu'il y a quelques mois encore, je, enfin, ça fait deux... Pendant deux ans, j'ai eu des alternants avec moi, euh, Arthur et Maeva, et j'avoue que ça donnait un certain coup de main. Ça a donné un bon coup de main sur certains trucs de com, notamment. Et euh, là, tout seul, tu dis putain, euh, c'est chaud en fait, faut que je gère tout, la compta, les déclarations aux impôts, les machins avec euh, la douane, parce qu'on gagne de l'argent avec des marques qui sont pas euh, européennes. Donc faut que je déclare genre YouTube à la douane, aux douanes françaises. Alors c'est pas payant, hein. enfin, c'est pas une taxe, mais c'est juste pour déclarer que tu as gagné des de l'argent des... en vendant des produits à l'extérieur de l'Union Européenne. Voilà. Euh... Et ça, les petits YouTubeurs euh, qui ne connaissent pas trop le font pas en fait. Et tu peux avoir des grosses amendes, alors que ça ne coûte rien en fait. C'est juste de déclarer que, bah oui, j'ai gagné de l'argent avec une société américaine. Amazon c'est pareil, Twitch c'est pareil. Amazon c'est avec les liens affiliés. Quand je mets des liens et que vous cliquez dessus et que vous achetez un produit après, j'ai un petit pourcentage de l'argent. Qui me revient, je crois que sur le numérique ça date 2%. Quand vous achetez 100 euros de produits sur Amazon en ayant cliqué sur un lien au préalable qui vient de ma chaîne, j'ai 2 euros. A l'échelle d'un de... mois, ça représente un... souvent un 100 euros, un truc comme ça. Bon, c'est bien en fait, moi 100 euros, ça me permet d'acheter. Bah tiens, voilà, le disque SSD M2 N... que j'ai acheté pour ma vidéo précédente, bah, je l'ai acheté grâce à vous en fait, quand vous utilisez un lien sponso, et eh ben moi ça me permet de faire des cadeaux et ça ne m'a rien coûté. C'est pour ça qu'il euh, euh, l'atelier du 3D Marc dit bah attends ça me gêne quoi machin. Je fais c'est bon allez c'est bon ferme là prends-moi prends mon cadeau voilà parce que voilà faut savoir faire plaisir parfois à un moment donné voilà c'est c'est bon c'est bon calme-toi tout de suite alors. allez on y va putain alors combien là tu oh 8525 putain je pense qu'on va y aller hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça va devenir un hypermarché ta super. Oui oui c'est bon, bien mon but. C'est bien mon but. Salut passion smartphone. J'espère que tu vas bien. Fait plaisir de voir passion smartphone. Dire un petit coucou et tout. J'ai une énorme vessie. Je tenais à vous le dire. Dimanche on aura un live. Voilà. Ma phrase s'arrête là. Je pense un dépanou. Je pense que je vais faire une pause des lives aussi, pour tourner des vidéos. Mais voilà, on aura une pause des lives et je vous dirai avant. Euh, je vais tourner une grosse vidéo, je vais beaucoup bosser et je ne peux plus me permettre de faire des lives. On va dire pas une semaine ou deux, hein, voilà. parce qu'il y a des grosses vidéos qui arrivent sur la chaîne. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je vous ai dit que j'allais faire Colanta. Non, pas du tout. C'est faux, pas du tout. C'est pas vrai du tout. Je vous ai dit qu'on va peut. Je vais certainement refaire le casting pour les apk Express. Non, je vous l'ai pas dit. Ça, je vous l'ai pas dit parce qu'on a. J'ai toujours pas fait. Je vais refaire comme l'année dernière avec euh, mon cousin. On va refaire le casting. On va essayer d'aller plus loin que l'année dernière. L'année dernière, on était dans les 40 dernières équipes. Hein. Euh, attention, nous sommes allés à Paris et tout. Hein. Mais imaginez. Vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, euh, je le fais pas pour ça, parce que c'est avant tout une aventure humaine avec mon cousin, tu joues quoi de la chaîne YouTube euh, David, mais imaginez un truc à la con comme ça, je le fais vraiment pas pour ma chaîne YouTube, si c'est pour gagner plein de trucs. Je le fais vraiment... Putain, ça y est, il me fait chier le truc, il merde. Regardez, ça merde. Je peux pas le poser par terre. Ça c'est nul, ça. ça c'est un bug. Bref, on le fout là. Mais euh, imaginez, imaginez. Imaginez! C'est pas grave, bah ça je vais le foutre là en fait, du coup. Pour me faire chier. Voilà, c'est bon, casse pas les bonbons. Mais imaginez, voilà, je vais à Pékin Express. Les mecs, on gagne, on gagne pas, machin, on donne tout. Mais on... on, on les gens trouvent qu'on est tous les deux. Ils y trouveront forcément qu'on est archi sympa, archi rigolo, archi doué, qu'on génère de l'émotion, etc. Les gens, tu reviens, euh, ils regardent ta chaîne, ils regardent la chaîne de David et tout, ils disent que voilà, on monte une chaîne spéciale et voilà. Alors après être connu par la théarité, je suis pas fan parce que en fait, ça fait. Bon après ça va, c'est que j'ai du contenu d'avant, c'est-à-dire que demain, je ne suis pas connu du tout. Je crée une chaîne YouTube quand je reviens de Colanta pour dire ouais les mecs, euh, c'est Jean-Pierre de Colanta, ma chaîne YouTube, tu vois. Dit frère, respecte-toi. C'est bon, as, voilà. Alors que moi, ça fait 5 ans et demi, six ans bientôt que je ferai du contenu sur YouTube quoi. Tu vois ce que je C'est comme un artiste qui ferait de la musique et qui, euh, à un moment donné, euh, pour une raison euh, bah, de, de, de chatte en fait, fait une émission pipette en fait. Ça serait tant mieux. Quoi, ça serait logique. Je vais recommencer à mettre dans les trucs parce que je sais plus où j'en suis. Voilà. Mais euh, ouais, potentiellement. Je sais pas si je vous ai dit, mais il y a des vidéos de zinzin carrément. <laughs> je rends con, je suis un con. Ah putain, mais en fait, j'ai un problème. J'adore, j'adore, mais j'adore faire des surprises. Et là, c'est pas une surprise, mais en fait, je sais qu'il y a une partie des gens qui regardent ma chaîne qui vont halluciner, qui vont dire Mais lol, c'est génial cette vidéo. Voilà, et qui vont être contents pour moi. En fait. Et moi, j'ai trop hâte de vivre certains moments. Que je vais y vivre ça va être des trucs de zinzin ça va être des trucs de zinzin je sais pas si tu le sais mais tu vas sortir les vidéos de zinzin <laughs> ça, ça, ça sera le running gag en fait c'est à dire que quand je fais des ça pourrait être très drôle que. Bah, en fait, bah, je peux pas savoir jusqu'à jusqu quand est-ce que ça va sortir la vidéo de Zinzin. La vidéo de Zinzin que j'espère, pareil, je ne peux pas vous le dire, c'est fait parce que j'en sais foutrement rien. Mais potentiellement, la vidéo de Zinzin qui sortira un jour, c'est si j'arrive et si je suis cordialement invité à aller au CIS de Las Vegas. Donc là, forcément, je vous le dis, enfin, ça vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Le CIS de Las Vegas, je ne suis jamais allé aux États-Unis. Je ne suis jamais. Je suis sorti une fois de l'Europe pour un voyage de noces. Euh, allez, Maurice, c'est tout ce que j'ai fait en sortie d'Europe, en fait. Sinon, les reste, je l'ai fait en train ou euh, en voiture, Belgique, machin, etc. Allemagne, euh, voilà. Mais voilà. Voilà. Voilà les mecs. Et ouais, mec Donc euh Potentiellement en début janvier, il euh, y a une vidéo de Zinzin qui arrive, voilà, avec le CS de Las Vegas. Mais ça, je ne peux pas vous dire que c'est fait. J'ai très envie, mais j'ai lancé ma candidature, si vous voulez, et c'est pas accepté. C'est pas encore trop tôt. Donc je mets de l'argent de côté parce que ça coûte un petit peu cher. On va pas se cacher. À un moment donné, on voilà, va dire la vérité. Mais voilà. Mais il y a des vidéos de Zinzin. Combien de fois tu l'as dit ça Quoi, le 6S ou que c'était trop cher, peut-être les deux. Non, mais euh... par exemple, bah, je peux en parler au passé parce que du coup les vidéos sont sorties. Mais quand j'ai fait la vidéo avec euh, euh, Orange là, euh, à Rennes et tout pour tester les Livebox... J'étais super content, mais j'aurais pu vous spoiler en disant « Putain, les mecs, j'ai testé une Livebox, machin, dans un truc de test, c'était archi bien, j'ai passé un trop bon moment. » C'était génial, mais du coup, ça, ça je pense que ça vous aurait niqué le plaisir, en fait. Vous en avez dit, Ouais, bon, en gros, euh, bref. Tiens, à la abrèche, frère, bref, il a testé une Livebox. <laughs> » Voilà En gros, ma vidéo de 10 minutes, a peut être résumée en abrèche, frère, qui dit « Bref, il a testé une Livebox. » Et voilà. Et non, en fait, c'est plus compliqué que ça, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc ouais, mais je peux pas trop vous en dire parce que là, vraiment, si ça ne se fait pas, tu vois ce que je veux dire, bah là, euh, ça va me faire mal au cœur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que je vais annoncer, genre, bah, par exemple, voilà, je suis allé à l'Orange Vélodrome euh, pour. Euh, Tiens, je suis allé au Tour de France, c'est encore plus impressionnant, à Cahors il y a deux ans, pour filmer le Tour de France dans les coulisses, en fait. Vraiment, euh, côté VIP, quoi, tu vois ce que je veux dire Et côté technique, j'ai rencontré des équipes de France euh, Télévisions, j'ai rencontré, euh, voilà, euh, juste à côté de moi, j'avais Laurent Jalabert, qui est un, un grand cycliste, euh, retraité maintenant, mais voilà, un grand cycliste de l'époque. Je pouvais pas vous dire, les mecs, je vais sur, au Tour de France, en fait. C'est tellement gros. Vous voyez ce que je veux dire C'est tellement un truc de zinzin, le Tour de France. Voilà, que je ne peux pas vous le dire. Parce que si ça se fait pas, je suis vénère, en fait. Là, une fois que ça s'est fait, bon bah voilà, je Vous kiffez, vous regardez, certains ont pas regardé, je m'en pas les steaks, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais moi, j'ai kiffé ma life, en fait. J'en parle encore la vidéo du, du Tour de France à des gens, j'en dis, bah voilà, je suis au Tour de France, machin, et tout. Les gens, ils sont... Euh, certains qui suivent le vélo, ils sont méchants, foirés, machins et tout. Genre, t'as trop de la chatte, tu te rends compte. Et je fais, oui. Bien sûr, je me, rends compte. Bien sûr, je me rends compte. Oh là 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 on va lancer la journée, tiens, d'ailleurs. Même pas attendre que j'ai fini. Euh... Bon, c'est bon, il reste trois, trois colis, c'est bon, calmez-vous. Euh, le sel, voilà. Mais euh, ça va être génial. J'ai adoré la vidéo avec les techniciens de Orange. Ah oh, il y en a plusieurs. Les, les ah oui, des techniciens euh, fibres euh, cuivre. Ah oh, putain, ben voilà, mais exactement, Géronimo. Merci à toi parce que euh, j'oublie des vidéos qui sont mémorables. Oui, mais tu, tu crois que je n'ai pas kiffé, moi, en fait C'est énorme, en fait. Tu rentres avec des mecs qui travaillent. Euh, euh, un métier que j'aurais pu faire, en fait. Hein. Enfin, je dis pas que j'ai les compétences aujourd'hui, hein, ni les connaissances. Mais, enfin, oui, les compétences, euh, le savoir-être, tout ça, je pense que j'aurais eu. Mais j'aurais été passionné par mon truc. Donc, oui, voilà, exactement. C'est des moments comme ça, en fait. Et c'est des. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des vidéos qui sont, pour mon... de mon côté, en fait, côté tournage côté euh, expérience personnelle j'ai notamment une vidéo qui est plus euh, qui sera la plus grosse dans, allez, dans, dans le temps 3 des expériences personnelles en, en tournage de euh, YouTube c'est au niveau largement du Tour de France de, de trucs comme ça en fait c'est à ce niveau là et j'espère que ça va se faire et voilà, on peut toujours avoir des problèmes et tout, machin, etc. Là, une vidéo qui n'est pas avancée du tout, c'est la visite d'un data center. Ça, j'aimerais bien, il y en a plein qui l'ont fait, La Mister Bidou, il l'a fait. Moi, je l'ai déjà fait, en fait, mais dans le cadre de mon activité professionnelle, et invité en tant que client, pas invité en tant que euh, vidéaste. Mais j'aimerais beaucoup filmer un data center. Le problème, c'est que beaucoup l'ont fait et je me suis refusé d'en la vidéo de M. Bidouille et d'autres. Hein, je crois que jol l'a fait aussi parce que je ne veux pas euh, qu'on me reproche de, de copier un, Jojol, un ça Je ne veux pas qu'on me reproche ça. Donc, si je ne regarde pas la vidéo, il n'y a pas de danger que je m'en inspire. Et si en est fait, quelqu'un me dit euh, euh, Ouais, on dit Ouais, t'as copié Jojole Je peux lui dire Ferme-la juridiquement. Parce que euh, j'ai pas, pas regardé la vidéo de Jojo justement pour ça. Pour que si j'ai une idée, bah, que ça soit la mienne. Ça ne sera pas une idée de Jojo que j'ai copiée. Et du coup que j'ai pas honte de refaire une vidéo parce que... Euh, voilà. Vous avez compris hein, ce que je dis là Parce que moi, non. Alors. Euh... Mais je vais... Ah oui, j'avais dit que je commençais la journée. Bon, c'est bon, je suis arrivé. Calmez-vous, c'est bon. Calmez-vous. 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 C'est bon. Allez, on commence la journée. Après, on achète de plein de nouveaux produits. On va mettre dans le magasin. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Pourquoi je ne fais pas comédien de doublage, putain Mon précieux. Quoi J'ai une question sur l'installation des modes sur ce jeu. Je ne sais pas si tu en as mis. Oui. Mais si tu sais. On doit les installer sur la racine du dossier du jeu. Oui. J'ai des modes, comme je l'ai fait voir tout à l'heure. Salut, mon Climbers Production. Là, ici, le PQ est à 15,90. Je le mets à 20 euros. Je fais OK. Il est bien à 20 euros. J'appuie sur CTRL-R. Bim, il se repasse à 15,90. 15,90. Pourquoi et pourquoi ces prix-là Parce que c'est toujours 10% du prix du marché, automatiquement, dès tous les matins ou alors dès que j'appuie sur CTRL-R. Ça marche aussi avec celui-là. Là, je le mets à 999 euh, 000 Je fais CTRL-R. Bim, il revient à 410. Ça, c'est un mode. J'ai un autre mode que tu vois ici dans le PC où là, ça m'indique la quantité en rouge, en orange ou en blanc. De, des produits qui me restent genre les PQ il me reste plus qu'un seul PQ donc ça les modules comment j'ai fait pour les faire c'est pas compliqué tu prends ton joli Steam qui est là tu fais bouton droit à la souris tu fais gérer tu fais parcourir les fichiers locaux une fois que tu as affiché les fichiers locaux tu as un dossier qui s'appelle plugin. tu vas dedans et tu reviens parce que c'est pas dans ce dossier là <laughs> tu vas dans le dossier tu vas dans, dans ce dossier, pardon, tu y colles un logiciel. Moi, il fallait qu'il y ait un logiciel qui s'appelle Melon Loader. Il n'y a pas que ce logiciel, il y en a un autre. Donc là, Melon Loader, tu colles toutes les données ici. Melon Loader, c'est un programme qui sert à lancer des modes. Ensuite, tous les modes, tu les colles dans Mode ». Voilà, tu les extrais et là, tu vois que tu as DDL. Auto Price Updater, c'est le mode que je viens de te faire voir où je mets à 9999 et tu fais R » et ça se met à jour. Et Stock Manager, c'est un produit qui gère, qui m'affiche le stock. Si tu veux trouver des mods, des mods, je tape en même temps et je ne peux pas faire deux, fois, deux choses à la fois, donc tu te calmes maintenant. Tu vas sur euh, Mods. Attends, bouge pas. Hop, je tac. Tu vas sur Mods là et tu cherches le jeu Supermarket, c'est mon cas. Et donc là, tu vas chercher sort by. Alors, je suis désolé, il n'y a pas de version française, je crois, mais on s'en fout. C'est assez facile à comprendre. Euh, trending ou downloads. Download. On retrie par download. download. Don, don, enfin, là, on a le premier. C'est donc RDC Stock Manager. Euh, C'est le module qui est là. Alors, par contre, je ne sais pas comment ça se met à jour. Bref. Qu'est-ce qui tient Regarde, qu'est-ce qui te dit Installer Melon Loader. Donc, Melon Loader, tu l'extractes dans là où il y a Manage Bros Local file Donc, parcourir les fichiers locaux. Tu extrais le fichier .zip dans ce dossier, les DLL, machin, etc. Et boum, ça y est, tu as mis le Melon Loader. Euh, voilà. Là, la, le dossier de configuration, on s'en fout un petit peu. mais voilà. Bonsoir, Florian Coco. Tu as un carton dehors. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que j'ai acheté trop de, de. Merde, comment on appelle ça de caisse et en fait il faut être niveau 50 je suis niveau 47 dans le jeu euh, Too bay melon loader pack for simulator donc je sais pas ce que c'est ce pack préconfiguré de... qu'est-ce que c'est je sais pas on s'en fout no max order limit oh là tiens on va enfin l'installer ensemble si tu veux on va installer parce que celui-là, j'ai mis Auto Price Adapter et Portable Scanner, ça permet de... Add any product to your cart remotely by using a middle button or a product label. Au oh bordel. Au oh bordel. tu savais. Eh ben on va essayer... Alors, attendez. Installation. <laughs> Je sais pas s'il faut... Euh, me... Requirements, il faut Tobay, Bipin, Menon Loader. Et ça, je l'ai pas. On va essayer de prendre celui-là. Requirements, Menon Loader. Je l'ai. Donc, là il est bon. On va faire Download Manuel. Menon Loader, je l'ai. Calme-toi. Je fais ça. Je fais Slow Download. Enfin, je m'en fous. Il fait 3 kilos. Voilà. Une fois qu'il est téléchargé, je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais bouton droit. Extraire tout. Je fais Parcourir. Et là, je vais faire. E, euh, euh, merde, il est où mon jeu? Alors, si je ne sais plus où est mon jeu, c'est pas grave. Je fais bouton droit de la souris, gérer, parcourir les fichiers locaux. Il m'ouvre la fenêtre. Voilà. Je prends cette barre d'adresse qui est ici. Je fais copier. Je prends cette barre d'adresse, je fais coller. Il m'envoie directement dans le bon dossier. Et là, je fais sélectionner un dossier. Et bim. Il m'a ouvert le dossier et là, je m'aperçois que no max order limit, il n'est pas au bon endroit. Il ne doit pas aller à la racine. On doit le mettre dans le dossier mods, ce que je n'avais pas fait. D'ailleurs, je suis un peu con parce que je le fais alors que le jeu tourne. Donc là, je vais échappe sauvegarder. Je vais quitter vers le bureau et je vais relancer le, le, le jeu. Bim, joué. Voilà. On va voir si ça marche. Ah, regardez, on a vu là. Oh merde, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite fenêtre dégueulasse qui s'est lancée. Euh, voilà. Qui a montré que le mode était lancé. Le mode est désormais lancé. La petite fenêtre, elle est là, vous voyez là. Trois modes loaded. Et là, le, donc ça c'est Melon. Ça c'est Melon Loader, cette fenêtre que vous avez ici. Euh, voilà. C'est Melon Loader. Et merdeux. merde Merdeux. Merde. Voilà. Et vous voyez qu'il y a bien le mode No Max Order Limit. Price Updater et Stock Manager. Voilà, version 9.0. Vous avez les versions comme ça. Hop, je réduis. Donc, no max order limit. On va tester tout de suite pour voir si ça marche. Et euh, on va faire ça. Donc là, on va gagner un petit peu de temps. Là, vous voyez que je commande deux farines. Ok. Bon, bah, ça tombe bien. Il n'y a rien à commander. Deux sodas. Ah, j'en commande pas encore deux parce que... Je pense qu'il va y revenir. On va voir les sodas. Enfin, je me rappelle les sodas. il n'y a rien à commander, quoi, forcément. Lol, lol. Merde, je voulais tester le mode. Bon. Bah ben, y a rien à commander. Bon, bon, bon. Bon. et eh ben bon. Bon bah bon. Merde, je voulais tester le mode. Le soda. On, est où On va lancer la journée. C'est pas grave. Voilà, heureusement que j'en ai pas commandé parce que vous voyez, le soda il avait pris le pack. C'est pas grave, regardez ce qu'on fait. On lance la journée, on sent. Ah bah elle est déjà lancée, le, le... Je suis con, mais elle est déjà lancée la journée. <laughs> on va lancer la journée et vous allez voir, on va faire une commande. Et vous allez voir là ici, on sera, si le mode marche, on sera plus limité à, à, à 10 produits. On peut faire des méga grosses commandes de 30 produits. Voilà, regardez là, là, il y en a. Attendez, le chiffre monte, donc il est en train de le refurbish. Ok, je regarde, ok je te remercie de ton aide, merci à toi. Micro Blue, oui c'est un Blue Yeti mon loulou, en USB. J'adore ce micro, bon là je pense que c'est bon, on va pouvoir y aller. Hop, on prend deux paquets de spaghettis. Merde, ils étaient en train de mais c'est pas possible ce... De, de... Merde. Ah bah non, je l'ai pas commandé, c'est bon je peux le retirer. Je vais retirer un spaghetti. Mais du coup, je sais pas s'il marche mon truc. Là, je vais en prendre un. Produit nettoyant, on s'en fout. Je vais en prendre un clean machin. Un PQ, je vais en prendre un. Ça servira toujours. Parmesan, là, un. Je vais en prendre un mozzarella. Vous voyez, je vais prendre des trucs. Regardez, oh, on est à 7. Les poulets. J'ai l'impression que j'en vends pas aujourd'hui. Ah, des pommes de terre. On y va. Je vais en prendre un. Bouteille d'eau. Ouh. c'est en train d'en bouffer. Bah, je vais en reprendre un gros sushi je vais en prendre zéro parce que j'en ai déjà un st en stock je crois merde. ils consomment rien les mecs ou quoi là euh, non je vais en prendre un et regardez ça y est je suis à 10 donc là la prochain produit que j'ajoute normalement je ne peux pas l'ajouter attention attention on serre les fesses attention et oui ça marche voilà donc le mode marche, vous voyez, je suis à 11 normalement, c'est 10 le maximum. Ça y est, j'ai installé un mode en étant complètement très simple. Et là, je peux commander mes 11 produits. Tout ce casse Slide Et pas mes 10 produits. Donc là, maintenant, je pourrais commander genre 200 produits d'un coup euh, sans en faire... Euh, là, 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 là. Donc ça, c'est un mode qui est plutôt... Enfin, c'est pour un shit, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ça va. Hein, Donc j'ai ce mode maintenant qui me permet en un clin d'œil de commander plus. De 10 produits en un seul coup. Sinon, il fallait que je commande et que je revienne et que je recommande et que je revienne. Voilà. Donc là, ça va potentiellement, c'est un truc con, hein, mais ça va peut-être me faire gagner de précieuses secondes. Merde, j'en ai commandé deux, putain. Ça va peut-être me faire gagner de précieuses secondes parce que en fait, avant, il fallait commander. Nanani nanana. Là, maintenant, je m'en bats les steaks. En fait, je clique, j'ajoute je, tout mon panier. Mon panier fait 40 articles, j'en ai rien à foutre. Ça marchera très bien. La mozzarella! J'ai quand même une grande gueule. Hein. On va se le dire, hein. franchement. Hein. Euh, j'ai quand même une grande gueule. Et le PQ. Doudou. <laughs> Doudou. Il fait nuit là. Ah bah putain, j'ai pas allumé le mire, qu'est-ce que je suis con. Qu'est-ce qu'il y a comme autre mode C'est con parce que le mode scanner, il m'intéressait bien quand même. Portable scanner. Ils a dit, voilà, c'est celui-là que je ne veux pas en fait. Vous voyez, je trouve que là, déjà que c'était un peu toujours pareil. Vous voyez, ça restock tout seul et je trouve que c'est un peu nul parce que... Voilà. Ce mode simple vous autorise, vous permet de ne pas passer 20 minutes avant d'ouvrir votre magasin tous les jours en créant une, un, un moyen de euh, ranger les, 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 les cartons automatiquement dans les racks en euh, provenant, en provenance, en provenance pardon, de, la, de, la, de la rue. Je suis, je suis au courant que c'est une sorte de, de mode un peu de cheaty, un peu de triche, quoi. Euh, D'un certain côté. Cependant, les développeurs du jeu ont dit que dans le futur, les restockers, donc les petits quatre bonhommes que j'ai embauchés, seront capables de prendre des boîtes de, dans la rue. Et de, dans le même temps, euh, vous êtes une sorte de feignasse. Euh, ça sera aussi simple d'utiliser ce bot. Voilà. Vous pouvez le faire de manière manuelle ou de manière auto. Donc manuel, vous prenez un carton. Et vous appuyez sur L pour l'envoyer automatiquement dans un endroit du rack euh, qui a de la place. Ou alors auto-racking. Euh, en gros, dès que vous commandez, ça se barre direct. Je trouve que ce mode perd un peu le jeu. Avec grand plaisir, Licorne. Il est là, il est là. Ah non, 22h24, j'avais peur qu'il soit 23h. Smart Pocket, ok, tu les ranges dans ta boîte, machin. Store Delivery, add an option on the market app, purchase window to place product boxes. On rack in stockage automatically right after delivery. Et bah c'est exactement le même mode qu'avant. C'est pas easy delivery, c'est store delivery. Là quand vous commandez, boum, ça s'en va directement dans les racks automatiquement. Voilà, c'est celui-là que j'avais vu. Voilà, il commande des trucs. Vous voyez, bim, bim, il commande des machins. On le voit là sur la petite fenêtre. Bim, il y va dehors et c'est déjà arrivé sur son rack. Voilà. Delivery organizer ». Wow, ça range bien les boîtes par taille. Ok, aucun intérêt. Better cashier. Donc là, le pareil. Better cashier, c'est qui va okay, cash, cash, cashier. Il va plus vite. Storage expansion. Euh, là, c'est un mode qui rajoute tout simplement plus de place. Oh, c'est énorme. C'est énorme. C'est un mode. Wow, c'est énorme. C'est un mode qui rajoute beaucoup, 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 beaucoup plus de place dans le jeu. More customers il euh, y a plus de personnes qui viennent dans votre truc. Vous pouvez changer le nom de votre magasin. Rack Auto, bon, ça, beaucoup le font. Better Checkout Voice, donc là, c'est euh, la, 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 la voix de la personne qui dit merci, etc. Currency Changer, donc là, on peut mettre des euros très drôle. On peut mettre des zéros, 50 euros ou alors des euh, yens ou des trucs, des pff, livres sterling, etc. Bon, globalement, je pense que là, j'ai les modes sympas. Peut-être que le mode scanner, c'est pas mal. Le mode scanner, de ce que j'ai compris, en fait, là, vous cliquez, bip, et hop, ça l'ajoute dans votre truc à commander. Vous faites bip, 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 bip. Et voilà, ça la rajoute dans le truc. Mais, euh, bon. Donc... Euh, Allez, on y va Deux, bim, on rajoute. Nanani, nanana, pain sandwich, deux, c'est parti. Nanani, 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 des fûts. T'as un gros fût, tu sais. Euh, c'est bon. C'est du sucre glace, du sucre roux. Pas mal, ça. Les pommes de terre, on va reprendre parce que les pommes de terre, ça marche toujours. Franchement, ça marche toujours les pommes de terre. Les poulets. Ah, je sais pas si ça marche toujours en fait. Poulet, on va reprendre qu'un. Euh, bim, 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 badaboum. Trop cool. Bim, badabim, bim, bim badabadaboum. Trop cool. J'espère qu'il y en a qu'on quand même. Et ben voilà. Et alors, regardez, 15 produits, bim, c'est parti, 8h50, 10 minutes avant la fin, je commande. Allez, eh ben, on avait dit qu'on finis, on finissait, on finissait cette journée, puis on passait à l'achat d'une nouvelle gamme de, fin de, de la licence pour avoir de nouveaux produits. Ben, on va le faire ça tout de suite, laissez-moi juste le temps de, de ranger mes produits. Et euh, on y va, on va ajouter de nouveaux produits à notre supermarché. C'est quand même là le but un peu du jeu. Et rappelez-vous que plus vous avez de produits, normalement. De ce que j'ai à peu près compris, plus vous allez vendre de produits aussi. C'est-à-dire que le jeu s'adapte parce que vous voyez forcément qu'à un moment donné, les, les licences coûtent archi cher, genre 25 000 balles la licence. Euh, bah, à un moment donné, euh, voilà, 25 000 balles, là je serais obligé d'attendre 25 ans. Et voilà pourquoi j'ai tant d'heures euh, de jeu sur ce jeu. Donc là, je pense que je vais être pas loin des 30 heures ce soir. Parce que en fait c'est long parce que vous attendez, parce que... machin, parce que vous restockez, etc. Si demain je mets le mode qui restocke tout seul, ah bah là, c'est pour moi une sorte en effet de cheat code parce que vous allez très vite arriver à 50 000 balles et jamais plus jouer à ce jeu parce que je vais avoir fini le jeu, j'aurai plus rien à faire en fait. Parce que voilà. Donc je suis pas fan de ce mode. après chacun fait ce qu'il veut, c'est votre jeu, c'est vous qui choisissez les règles. Hein. Je m'en bats les couilles. Je suis dans la violence quand même. De mes propos. Trop cool Bim, bada, bim, bim, bada, bada, boom. Les pommes de terre de chez Mighty. Eh oui J'ai plus d'emplacement, je suis vénère. C'est pas grave, je vais en mettre ici. Ça, j'en ai rien à foutre, c'est mon truc de stock en plus. Et non pas de stock en coque. Pour ceux qu'on ont la ref aussi. Putain, je... Des en stock, Tintin. Putain, c'est trèfle Merde, j'ai plus de place pour mon susu. Trop cool. Bim badabim, bim bim bada Allez, venez, mille Vous assoir à ma table. Il fait si froid dehors. Allez, on y va, on va euh, lancer ça, les commandes là, et on va acheter de nouveaux produits, vous voyez, je, je rajoute ça à ma liste, je rajoute ça à ma liste, je rajoute ça à ma liste, je rajoute, euh j'ai trop hâte, je, je crois que c'est là qu'il y a des sodas ou je sais plus quoi, mais ça va me faire acheter des, des, des trucs, des, des racks pour les mettre là, vous voyez ce que je veux dire, des réfrigérateurs. Et eh bien écoutez, je crois que c'est bon hein. je crois que je suis pas mal du tout. Fou, 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 fou. Oui, non, non, ça il m'en faut deux. Écoutez, on est pas mal. Alors, j'ai dit produit mais je les commande pas tout de suite parce que de toute façon il est 9h, je peux pas le faire. On va aller dans gestion et on va aller dans licence de produit. On va acheter cette licence de produit que je peux acheter à partir du niveau 42, ça tombe bien, je suis 47. Et j'ai aussi celle-là au 42, et après c'est 56, donc je ne l'aurai pas ce soir, je préfère être honnête avec vous. Licence du produit, on va avoir des Pripiat. Euh, bon, on va les découvrir. Allez, 7 produits, on va les découvrir. J'achète la licence. BIM, 5700, 600. Je pourrais reprendre encore une licence là. Mais je garde 5400. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va peut-être acheter la deuxième licence juste après. Et euh, pour pouvoir... Euh, parce qu'il va falloir acheter des étalages, des trucs pour les placer. Alors, premier produit, Pripiat, galette, fro euh, jambon, fromage. On y va, c'est pour ça que vous allez comprendre qu'il me faut de la thune. Parce que là, c'est 653 balles d'un coup. Là. Est-ce qu'il y a des trucs qui coûtent cher Non, je vais y aller. Donc, 653 balles. On y va pour... Allez, on y va pour quatre produits. Bam, 4 produits. Euh, on y va pour 4 aussi, c'est du bœuf haché. Ça, ça va au réfrigérateur aussi. Donc, déjà, deux trucs au réfrigérateur. 4. Je pense qu'il va en falloir plus que ça. Du... Oui. Du... Du feuilleté au jambon. 4. Réfrigérateur aussi. On y va. Du jambon tout court. 4. Des lasagnes. Ça, ça va au réfrigérateur aussi. Donc il va falloir que je rachète un paquet de réfrigérateurs. Du jambon fumé. 4. Et enfin, des cuisses de poulet. Réfrigérateur aussi. Attendez, c'est pas fini. On va prendre des réfrigérateurs. 1, 2. 3, 4, 5. Non. 1, 2, 3, 4. Il me faut... toto, il est passé par là. Je ne sais pas si vous l'avez reçu chez vous, mais... Euh, il est parti quoi. Je ne peux pas acheter. Je ne peux pas acheter. C'est normal parce qu'il est plus de 21h. Il n'y a plus personne de, de, comme client. Les, les mecs sont toujours en train de bosser. Donc on va faire entrer. Et on va commencer une nouvelle journée. Et je vais... Oh putain, ça a planté. Oh mais non Allô Allô Allô, Allô oh, Ça a planté. Oh <rire> <rire> Je suis vert, tu es vert, je suis vert Putain, ça a planté. Vous savez pourquoi ça a planté Peut-être que le, le mode là, euh, merde, no max order limit, peut-être qu'il ne faut pas finir la journée avec plus que... Ah non, ils sont là avec 38 produits. Peut-être qu'il ne faut pas finir la journée avec plus que euh, 10 produits dans la liste. On va voir ça de suite. Qu'est-ce qu'il fait l'autre L'autre il vient Mais qu'est-ce qu'il fait frère Frère Il est 9h30 du matin le magasin, il est close là. Hein. T'arrêtes ça tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'il fait Bon, bref, on va essayer de faire terminer la journée. Attention. Oui, c'est bon, ça a marché. C'est bon, ça a marché. Bon. Donc, on va pouvoir lancer la commande de nos 38 produits achetés. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est la première fois que ça, bu... ça bug. Hein. Je n'ai jamais bugué euh, sur ce jeu. Un plantage. C'est le premier que ça. Qu'est-ce que j'ai fait Oh l'abrutis, c'est pas ça qu'il me faut Quel con J'ai commandé des simples J'espère que je perds pas de la thune. Hein. Oh, oh putain le con C'est une catastrophe. C'est la fin du monde. Je revends et quand je revends, c'est deux fois le Putain, j'ai per... perdu. 4. Quatre... Je sais plus. Wesh. Je suis dans la merde. C'est pas grave. C'est pas grave. On va pas paniquer. Parce que c'est ce que je suis en train de faire. Merde. Oh putain, puis les factures. Euh, ok, ok, ok. <laughs> Vous voyez que c'est un jeu d'action. Banque. Banque. Ça me rappelle une émission. Banque. J'en ai rien à foutre. Je prends un prêt. Voilà, j'ai pris un prêt. Je vais dans gestion. Je vais dans... Euh, pas dans gestion. Je vais dans marché. Je vais dans réfrigérateur. J'en prends pas deux, j'en prends trois. Et, et ça ne va pas suffire trois, il m'en faut quatre. Avec 1500, je fais ajouter au panier et je fais quatre et j'achète. Là, j'ai mes quatre gros réfrigérateurs. C'est bon, ça va le faire. En revanche, la place, ça, ça c'est un souci, quoi. C'est trop short, frère. C'est trop short. Bon, on va se démerder. Là, je mets un réfrigérateur ici. Bien. Pas bon. Oh, bah tiens, j'aurais pu faire un petit coin hein, là. Non, non, mais attendez. Je vais mettre un réfrigérateur ici. Je vais mettre un réfrigérateur ici. Il est où le cucu Non, il est comme ça, le cucu. Voilà. Très bien. 3. Je vais faire un réfrigérateur ici. C'est vraiment chelou. Mais bon, euh, à un moment donné, le jeu, il coûte cher. Euh, les 20 000, 5 000 balles. Je vais faire ça. Et ça, c'est ma caisse enregistreuse que je voulais foutre là. Mais du coup, c'est tendu du string. De toute il faut être niveau 50. Donc ça sert à rien. Je vais la revendre. Donc là, je vais faire mettre en boîte. Je vais regagner 250 balles. Voilà. La moitié du prix. Et là, on est. Pas mal. Non, il me manque un. Il me manque un réfrigérateur. On va déjà mettre les produits. Allez, ça c'est quoi Ah bah c'est nouveau ça. Ça c'est le nouveau produit, ça s'appelle les lasagnes. Donc on y va. Oh, J'ai eu un vieux putain de doute. Je me suis dit, est-ce que je ne me suis pas gouré J'ai pas pris des réfrigérateurs alors qu'il fallait des congélos. Mais tout va bien. On a du WC bof. Bœuf, je sais pas quoi. Ça, ça va ici. Ça, ça va. Donc, ça, pourquoi ils sont par terre les produits C'est parce que quand ils sont en train de livrer et que vous faites fin, fin de la journée, ils, ils laissent leurs produits par terre et. Ils, enfin, je veux pas dire qu'ils bug, mais ils repartent à zéro. Quoi. Voilà. Tout ça, etc. Voilà. Ils remettent. Euh, ils, ça tombe par terre. Donc, je vais ranger ça. Oui, il reprend direct. Euh, ok, ça, c'est quoi Oh, bah, ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc, est-ce qu'on peut mettre les lasagnes à côté de ça Non, j'aurais peut-être plutôt. Parce que je crois qu'on a du jambon. Voilà, on en met un partout. Voilà. Oh, c'est terrible. Voilà. C'est génial. Je suis trop content. RIP. D'ailleurs, c'est toi, dernier-là qui m'a donné envie de le prendre. Ah bah écoute. Euh... Oh bah écoutez, des lasagnes. Fin du cela. Et on va en mettre un ici. Voilà. J'en mets partout parce que, en fait, je fais carrément un rayon de complet. Qu'est-ce que c'est, ça, d'ailleurs Des ronds-points feuilletés de jambon. Oh c'est archi bon ça Est-ce que vous aimez bien les ronds-points comme ça, les trucs, les feuilletés de jambon Alors non, c'est pas archi bon, je retire ce que j'ai dit, c'est pas archi bon. Parfois moi ça m'écœure. Ça m'écœure un peu. Quel est votre avis sur la, la vie Moi, ça m'écœure un peu. Voilà. J'avais je... envie de dire ça. Encore des lasagnes, on est bon. Voilà. Et on va mettre ça là parce qu'il va falloir qu'on les range, les lasagnes. Ça, c'est quoi Oh, du, du, du tech haché. Oh bah oui, ça va aller avec la charcute, tout ça. Allez. oh Putain, c'est bon ça. Des du, des du jambon. Le jambon, ça va aller ici. Voilà. Du truc muche Ça, elle est là. Oh, c'est bon ça. Bon bah c'était cool, je vais dormir. Car demain, 5h45, ça pique. Tu m'étonnes, Goku Max. Ça pique ah Du jambon haché. D'ailleurs, je t'ai dit, je Goku max que je vais sortir des vidéos euh, de zinzin. Je crois pas. Je ne crois pas. Mais c'est pas grave. Je le dirai la prochaine fois. C'est vous qui le direz. Je vais commencer mon live. À peine je vais commencer, tu vas vous allez me dire Il, Tu n'auras pas bientôt des vidéos de zinzin qui vont sortir. Et là, je serai content. Pripyat, regardez, ils ont copié. Waouh, est-ce que vous avez le jeu de mots Est-ce que vous avez la ref Est-ce que vous savez où est Pripyat Est-ce que quelqu'un le, le, le sait dans le chat Où est Qu'est-ce que c'est Pripyat Ne regardez pas sur Google. Non, je crois pas. Que je l'ai dit. Bah, J'ai des vidéos de ouf, zinzin qui arrivent. Est-ce que quelqu'un connaît Pripyat Arrêtez de dormir. Est-ce que vous croyez que je fais de la SMR dans mon centre commercial <laughs> Tout en pionce là, putain Est-ce que vous connaissez Pripyat Parce que moi, je connais Pripyat. Pour information, Pripyat a un lien avec le jeu vidéal Call of Duty. Voilà. C'est Déjà un bon indice. Putain, personne ne connaît Pripyat. Ou alors il y a peut-être plus personne. En fait, moi je fais mon live, j'en ai rien à foutre, je joue à mes jeux, mais je n'ai pas le compteur de qui, combien regarde. Aussi bien vous êtes vous êtes zéro. <laughs> Et je parle tout seul comme un con. Alors. Pripyat. Mais non Bah, euh, max. toi t'es bientôt parti de coucher. T'as pas la rêve de Pripyat Putain, les mecs C'est dans Call of Duty Entre autres, hein. C'est pas vraiment la meilleure rêve du monde, mais euh, C'est où, je m'émenouille, moi Oh putain, je me suis gouré Ça m'énerve, ça Putain C'était quoi C'était le susu, Mais le susu, euh. Susu. Putain, je vais recommander du susu tout de suite. Parce que sinon, ça va me gazer les coups. Rhône, ou Sussu. T'es sûr c'était su Qu'est-ce que, qu que j'ai Attendez, c'est quoi que j'ai effacé là Oh putain, je suis où Tout le monde se calme. C'est là. <laughs> Merde, j'ai pas vu. Merci, euh, merci, merci. Putain, j'ai pas vu qui s'était abonné. Pardon. Merci à celle personne qui vient de s'abonner. C'est très gentil. Je sais pas qui c'est. J'ai pas vu qui c'était, pardon. Vraiment, je suis désolé, C'est pas très pro ça. Et sur Streamlabs, j'ai le récap, mais là-dessus, là je l'ai pas. Bref, voilà, j'ai mis mon susu. Mon susu. Ma farine suprême. Bon, il va falloir que je refasse une grosse commande, sauf que j'ai putain de 546, ça va vite fait partir. Hein. Moi qui vous le dis. Ça, c'est quoi ça C'est du jambon. Le jambon, s'appelle BK. BK, vous avez vu BK. BK Food. Bon, je pense qu'il y a un rapport avec BK, mais... Alors, on va, on va, on va, on va, on va, on va, on va faire ça. On va laisser des lasagnes, on va laisser des trucs pour que je place, entre guillemets, les produits au bon endroit ensuite dans mon stock. Pour que je crée l'emplacement de mon stock. Là, pareil, ça c'est bon, j'en ai mis pas mal, on va le laisser dans le stock. Ça, j'en ai mis un peu, on va le laisser, on va le mettre dans le stock. Ça, il y en a là. Donc là, je vais mettre ça dans là où ça va. Merde, ça va là. Bah C'est bon, il y en a full. Donc là, le stock, et on va pouvoir mettre ça au stock. Ça, euh, bah je n'en ai pas mis encore au en stock. Ça fait 3, 4, 5 produits. Le jambon, 6 produits, mais il me manque un. Il y a un produit que je n'ai pas. Euh... Non. Arrête tout Tu te calmes, hein. <laughs> oh putain. Il y a de l'action dans le jeu putain. Alors, celui-là. Oh, encore. Peut-être commander un peu trop. Ok. Ça, ça va aller là. Et c'est quoi le dernier produit Pripyat, ah bah c'est Pripyat, c'est Pripyat, c'est Pripyat. Ah bah non, Pripyat il est déjà là. Alors est-ce que vous avez la ref J'ai pas la ref, Sakurin Putain les mecs et les filles. Pripyat est une ville dans un pays. Alors je vais pas trop le citer, j'ai pas envie de me faire ban, je sais pas quoi. Alors que on m'en fout un peu, enfin je m'en fous pas, ça me fait chier, mais voilà. C'est une ville qui est à côté d'une centrale et nucléaire qui a pété qui s'appelait C'était... Oh putain, j'aime pas pour regarder. Merci pour le follow. Putain, je suis rendu con. Chaque fois, je tombe pas la tête. Donc c'est une centrale qui... Euh, donc c'est Tchernobyl, en fait. Et à côté de cette ville de Tchernobyl, dans un pays que je vais ne pas citer parce que j'ai pas envie de me faire emmerder, eh bien, il y avait la ville de Pripyat. Et la ville de Pripyat dedans sont allés de bons gros youtubeurs qui y sont allés pour justement euh, faire des reportages. C'est l'une des villes où il reste le plus haut euh, taux de radioactivité euh, dans le monde. Euh, voilà, et voilà, voilà, ça à vous. Voilà. J'ai parlé de Pripyat, je suis content. Je suis vraiment content. Premier de Et Pripyat, c'est une carte de Call of Duty... Euh, je crois que c'était le Call of Duty 4, où tu avais deux immeubles face à face, et tu avais des, des balançoires, etc. Puisque forcément, quand il euh, y a eu euh, ce problème, les gens, les habitations euh, sont restées un petit peu, euh, voilà, et les gens sont partis au fur et à mesure. Mais il y a des gens qui sont encore restés assez longtemps après l'accident, si je puis dire. C'est un peu chaud ce que je suis en train de faire là, de commander trop là. Oh Cuisse de poulet j'ai pas de cuisse de poulet! Oh, j'avais pas vu qu'il y avait du jambon fumé! Oh, j'avais pas vu qu'il y avait du jambon fumé, putain! Bah, si, jambon fumé, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire, le con? Je... Ouais, là, je fais vraiment de la merde! Je viens de racheter du jambon fumé! Mais, mais je suis con! J'en rends con. J'en rends con. Je suis en con. Je suis... Je suis en con. Bon, j'en m'en fumé, ok. Mais. Bah... Ah bah oui, j'en ai là. Mais c'est quoi ça ce que j'ai pris Ah non J'avais pas de cuisse de poulet, nous sommes d'accord. C'est bon, calmez-vous. À un moment donné. Oh, et hey, oh eh, j'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai pas beaucoup du tout. C'est pas grave. Allez, on y va, on va voir la liste. C'est pas grave, on va se démerder. Euh, donc, euh, après le PQ, il y aura les galettes Pripiat. Les galettes pripiates. Oui, c'est ça. Donc, les galettes Pripiat, ils vont après le PQ vert. Ici, galettes pripiates. Vous voyez Hop, on prend. On remet l'autre aussi. Galettes Pripiat. Il y a déjà Jean-Claude qui va en prendre parmi les 48. C'est bien bon. Après les galettes Pripiat, il y a. Le bœuf haché. Bon, oh, j'ai bugué. Le bœuf haché. Voilà. Donc ça, ça va aller après Pripyat, ici. Voilà. Donc Pripyat, c'est une ville, hein, où il y a eu... Euh, voilà. C'est la ville la plus proche de Tchernville. Le bœuf haché. Après, il y a les feuilletés au jambon. Feuilletés au jambon. I ici, ici. Feuilletés au jambon. Ah, je crois que je vais pas pouvoir tout mettre mes feuilletés parce que je crois que c'est qu'un stack. Non. Non. Après les feuilletés au jambon. Le jambon. Même moi, je m'énerve quand je parle comme ça. Pour vous dire. Voilà. Après le jambon. Les lasagnes. On a peut-être pris un peu trop les lasagnes. Donc là, on va partir sur un nouveau euh, stack. Oh, bah, je vais commencer là. Ça refait ça. Et ouais, je vais faire ça. Les lasagnes, ça va ici. Et après, les lasagnes, on a dit que c'était le jambon fumé et les cuisses de poulet. Jambon fumé. Et voilà, tout est bien rangé. Et cuisses de poulet et voilà, monsieur. tout le monde se calme. Bim, voilà, c'est bon. Donc là, on va pouvoir lancer la journée. Qu'est-ce qu'ils font, les mecs Qu'est-ce que vous faites avec votre vodka, les mecs Ah, mais il y en avait déjà du à 5 Jacques, du Crustacé. Et il y avait déjà de la Moussaka, d'accord. Euh, ça, c'est mon truc. Euh, ok, j'ai plus de. Ah bah, non. Ah, bah... ah, bah oui, il y en a déjà plus. Il y en a déjà plus. Le problème, c'est que j'ai pas assez d'argent. De pour refurbicher et refaire du stock. Allez, c'est pas grave, on ouvre le magasin. Donc il euh, y a du stock, hein, voilà, on n'est pas non plus. Il y a du stock, il ouais, y a du stock. Là, oui, c'est bon, il y a pas de problème de prépiat, il y en a pas en, st en, en stockage, c'est bon, on s'en bat les steaks. Il y en a largement assez devant nous. Par contre, c'est là les, les petites cuisses de poulet, il y en a pas beaucoup. Alors. Oh, non. Toria qui nous raide avec 4 personnes! Merci Toria! Salut mon Toria! Je sais pas à quoi tu jouais, Toria. Faut que j'aille faire un truc. Faut que j'aille faire un truc. Faut que j'aille faire un truc avec mes cuisses de poulet. Voilà. Faut que j'aille faire ça, regardez, avec mes cuisses de poulet. Faut que j'aille faire ça. Tac, 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 tac. Faut que j'en mette au moins une par stack pour qu'après ils remplissent bon là j'ai plus de stock hein, donc euh, voilà je vais je vais jeter ça voilà. mais euh, voilà fallait que j'aille mettre une par stack ici on avait quoi on avait notre truc ah bah voilà ici on avait nos chocopics merde il en reste 5 dans deux cartons ça c'est un peu nul c'est un peu chiant voilà on est bon on est pas mal on est pas mal du tout pas de carton oublié encore de la farine. Je les aurais bien aidé à remplir, mais c'est déjà plein. Donc, du coup, j'ai rempli un truc de farine, mais j'en ai encore un nouveau euh, qui m'embête. Il n'y a déjà plus de machin. Donc là, on est à 360 balles. Mais là, il est 11h, ça ne vend pas des masses. Donc, on va commencer à préparer les produits. Vous voyez, là, j'ai déjà plus de machin. L'huile, on va en commander deux. Hein. Ça me paraît obligatoire. Ténoir, bim, 2. Hmm, là, cette commande, elle va faire mal. Ribasmati, 2. Merci, Toria, de t'abonner pour le septième... Waouh Waouh Toria, mon loulou Et j'ai fini la vidéo... Enfin, j'ai pas fini, mais euh, je vais pouvoir... Euh, on va pouvoir parler de la vidéo que... Euh, voilà, on va pouvoir en parler, maintenant. Et j'ai des créneaux, j'ai déjà des dates où ça pourrait tourner, où on pourrait faire ça, Voilà ça je te dis je fais mais je fais mon petit marché moi en même temps je vous explique la vie à une voilà toria merci en tout cas toria de t'être d'être de, 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 devenu membre depuis plus de sept mois 7 mois c'est moi pas mal bon, là wow le PQ c'est pas bon Il me faut 1471 de thunes. Je ne pense pas les avoir tout de suite. Parce que déjà, facture, il faut que je paye. Allez, on y va. Oh putain, je peux même pas payer mes factures, quoi. Petite coucou Red du live tutorial, on était sur Microsoft Flight Simulator SimTrain qui nous dit ça. Euh... Microsoft Flight Simulator, je crois que c'est un hein. MSFF. Oh putain, mais compris. Allez, là, il faut que ça rentre du fric. Il faut que ça rende du fric, j'ai payé toutes mes factures, mais j'ai 1500 balles pour recommander des produits. Là, il faut y aller, monsieur. Sinon, on va être obligé de prendre un emprunt, ça va être le bordel. Allez. Allez, allez, on achète. Allez, les bonnes affaires, c'est maintenant. Est-ce que les prix ont été mis à jour Mais bien sûr, avec mon mode que j'ai installé, voilà, ça se fait tout seul. Voilà, on achète nos nouveaux produits. Regardez-moi ça, le bon biftec haché. On achète le bon jambon de Parme, ou autrement appelé jambon de pays, ou autrement appelé... Je sais pas. Je, Je... Je sais pas. Euh, on va aussi avoir du bon jambon français. On va avoir du poulet. Chicken eggs. Chicken eggs. Chicken legs. Voilà, des, des jambes de poulet. On va avoir du magnifique pripiat. Fait en Bretagne, des galettes bretonnes, fromage jambon. Ça n'a rien d'une galette, c'est moi qui vous le dis. On a du néant intersidéral. Et ici, regardez-moi ça, messieurs-dames. Vous avez vu la lasagne à la bolognaise faite en France. Surgelée, 600 grammes de lasagne à 16,40 dollars, messieurs-dames. Oui, vous avez bien lu, 16,40 dollars seulement pour les 600 grammes surgelés qui sont au réfrigérateur. D'accord. Et on n'oubliait pas non plus... Le feuilleté jambon alimental et au jambon de 400 grammes, il y en a 4 à l'intérieur, c'est surgelé dans un réfrigérateur. Et c'est surgelé et c'est la marque Rouboin. J'aurais dû faire animateur de supermarché. Oh ça monte bien la tunasse. Il reste 3 heures. Oh putain, la lumière, mais quel con, j'ai mis le truc devant la lumière alors, c'est pas... c'est pas... Alors on peut le dire, j'ai pas la lumière dans toutes les pièces. <laughs> Putain, je suis con j'ai mis la lumière devant le truc. Attendez, attendez. Meilleur idée du siècle. Voilà. Regardez, c'est pas beau ça Comme ça, j'ai ma lumière. Hein. Et là le mec, euh, Voilà, il peut passer là, c'est bon. Meilleur idée du siècle. 1612, c'est bon, on peut y aller, on commande Allez, on y va. Parce qu'à un moment, donné, il va falloir refurbish. Le PQ vert. PQ, vert, PQ vert, putain. Voilà. Parce que forcément, s'il y a des produits où les gens ne trouvent pas le stock, c'est problématique. Parce que c'est une vente en moins. Donc il faut toujours que les gens puissent acheter en boutique, dans le stockage, si c'est vide. Comme là, c'est un peu le cas de tous les produits qui sont là. C'est pas catastrophique dans le stockage, puisque voilà, c'est principal, c'est quand même avec, avec les clients. Mais bon, euh, voilà, t'es connu comme un, c'est pas terrible quand même. Hein. Je trouve que le problème de ce jeu, c'est un problème, mais bon, bref, c'est que c'est petit en fait. C'est petit, putain. Moi j'en chie à mettre tous mes trucs là, vous voyez pas les espaces entre chaque machin, hein. tout petit. Oh, il est parti tout seul, ce rototo. Il était là devant vous, puis il est parti. Au revoir. Euh, le machin noir, là. C'est là que ça va. J'essaie de me dépêcher pour pas trop perdre de temps. Pour qu'il puisse remettre des produits en rayon. Faut quand même se dire que c'est une superette. J'embauche 7 personnes. Voilà, dans une supérette. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous choque J'embauche cette personne dans une supérette, pas très 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 logique. Allez, les, les trucs de poulet. Est-ce que j'ai fini ma putain J'ai pas fini ma bouteille d'eau. C'est cool ça, je pourrais boire encore un coup. Euh, putain, le jambon il est où le jambon C'est ça le jambon. Le riz Baba. Me ribaba ce matin. Alors, la donne. Là, il y a des moments comme ça. Je me dirais bien, euh, bon. En fait, euh, je vais l'installer. Parce que c'est chiant. Mais si je l'installe, je vais me faire chier. Parce que je veux dire, bah, je désinstalle. En fait, il n'y a plus d'intérêt à jouer à ce jeu de merde. Voilà. C'est tout le paradoxe. En fait, c'est pas très sexy. C'est pas très intéressant. En fait. Vous êtes en train de me regarder mettre des colis dans des putains de racks. C'est pas le plus grand dans les jeux. Et vous entendez bip bip en plus qu'on sont à peine stressants. Mais j'avoue que si je fais que les produits vont directement, j'ai plus rien à faire. Vraiment. Je me ferai yesh. Oh merde, le rack est plein. du jambon, j'ai vu le jambon. Là. Est-ce que oh attendez, je suis déjà à 2365, je suis un peu tranquille. Je suis un peu pépouse. Je vais pouvoir tout racheter. On va pouvoir faire une belle journée de vente demain. Sugar Pablo. Voilà. En fait c'est un jeu celui-là que je peux continuer en solo parce que en fait pour que quand j'y joue, genre je, je ferai peut-être 2-3 lives, là j'en ai déjà fait deux, je ferais peut-être 3 lives sur ce jeu, voilà, puis après à un moment donné, bon ouais. quand t'as tout débloqué, bah tu te fais lièche. Mais euh Ouais voilà, je peux y jouer à part parce qu'en en fait c'est pas très grave en fait, c'est juste euh, gagner de la thune. Voilà. Bon oh, ça sert à rien que je commande tout de suite. Je vais attendre qu'ils remettent un peu tout partout. Là, les clients, les derniers sont là. Je n'ai pas trouvé papier toilette. Bah ouais. Bah ouais. Et bah ouais, voilà. Il a le PQ. Il n'y en a plus. Et ouais. Et PQ, euh, bah non, il n'y en a plus. Ah là là, la catastrophe. Vous voyez là, j'ai perdu un petit peu d'argent. Mais bon. catastrophique non plus, mais... Surtout que je suis plus plus vers 3000 balles, donc on est bien. Mais là, vous voyez pas tout ce que j'ai perdu, là Un truc de malade, hein Mais là, j'ai plus de ça. J'ai plus de ça, j'ai plus de ça, j'ai plus de ça. J'ai plus de ça, j'ai plus de parmesan, j'ai plus de PQ. J'ai plus de savon, j'ai plus rien, là. C'est la hesse comme disent les Jones. Là, c'est un peu la haisse. J'ai plus de sucre en poudre, j'ai plus de riz, j'ai plus de purée, j'ai plus de farine rouge, là, machin, j'ai... J'ai plus que dalle. Même ça, ça a été tapé là. Oh, c'est la guerre. J'ai plus de sushis. J'ai plus de sushi. J'ai plus, plus rien. Bon, et là, en fait, en magasin, ça ne se voit pas encore. Vous voyez Alors si là, je, je sais pas. Non, j'avais rien là. Mais euh, là, vous voyez, ça se voit pas encore. Il y a encore un petit peu de, de stock. Vous voyez ce que je veux dire On n'est pas trop trop mal. Mais à un moment donné, ça va devenir problématique. Et donc le jeu, en fait, il a. C'est ça que j'ai pas trop mal aimé. C'est qu'au fur et à mesure, le jeu change un peu. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes tout le temps dans votre magasin, et là, maintenant, j'y n'y vais même plus. C'est-à-dire quand j'ai un nouveau produit, oui, je mets les trucs, mais là, je n'y vais jamais en fait. Je vais jamais ici. Et avant, je regardais combien il y avait, et je mettais les cartons par terre et tout. La première émission, mais là, pff, la première live, mais là, euh, j'en ai plus rien à foutre en fait. Je fais plus ça. Tiens, il reste un étalage là que je pourrais mettre quelque chose. Ok, 3099. Vous voyez, c'est bien, encore bien achalandé. Hein. Donc là, je perds pas trop de ventes. Mais euh, potentiellement, euh, ouais, je perds pas de ventes là en fait, hein. sauf les PQ, machin. mais en revanche mon stock est un peu vide, il y a plein de trucs qui sont vides, la mayonnaise j'en ai plus, quoi, vous voyez, j'ai plein de trucs qui sont vides, bref. Euh, je vais les laisser tranquilles euh, comme ça en train de bosser pendant la, mon introduction, parce que je vais aller me coucher, rappelez-vous je commence à 8h, je sais pas si je vous l'ai dit, il va y avoir des grosses vidéos qui vont sortir. Euh, voilà des grosses vidéos de zinzin qui vont sortir, qui arrivent. Toria, elle sait pas, mais voilà, c'est incroyable. Euh... Toria, faut qu'on se rappelle. Euh, voilà, je vais pouvoir avoir le temps un peu plus de te rappeler parce que là, j'avais pas vraiment le temps. Et euh, on va être bon. Merci à Denver, merci à d'autres, euh, à tout le monde. Merci à, à, à tout le monde de s'être abonné à Licorne, etc., qui est déjà parti se coucher à, à, à Toria etc., pour le raid et euh, pour euh, l'amour qui, 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 qui me donne beaucoup. Pour vous aussi qui êtes là tout le temps, tout le temps, ou même de temps en temps, bref, euh, voilà, merci à vous. On va enchaîner la dimanche avec un petit live des familles euh, qui fera du bien, qui sera, euh, je pense, un des panneaux, un truc comme ça. Euh, mon micro il fait des, des trucs chelous. Euh, ah, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il fait des trucs chelous. Ou alors c'est le micro. Euh, bon. Donc, dimanche euh, live des panneaux. Dimanche, une vidéo sur un thème. J'en ai aucune méga putain d'idée. Parce que là, le problème, c'est que je suis en train de préparer mes vidéos de dans, de dans longtemps. Donc, je sais déjà ce que je fais dans 4 semaines et dans 3 semaines. Dans 4 semaines, je. Enfin, dans quatre vidéos, dans trois vidéos, je ne sais plus, mais ça sera la vidéo de la Gamers Assembly où j'étais ce week-end. C'est pour ça que je vous dis, je sais déjà que ce que je vais faire pour la Gamers Assembly, sachant qu'il faut Jack que je commence à travailler dessus. Mais je ne sais même pas ce que je vais faire vendredi. Euh, enfin, dimanche, là et dimanche d'après. En revanche, les deux vidéos dedans. Alors, dimanche, je ne sais pas. Dimanche d'après, je ne sais pas. Dimanche d'après encore, je sais. Dimanche d'après, après, après c'est la Gamers Assembly. Dimanche d'après, après, après euh, voilà, je ne sais pas. Si, si, en plus si je sais, je sais les trois prochaines, les cinq prochaines semaines, enfin les, Ouah, putain, vous compris, je sais pas les deux prochaines, mais je sais les trois d'après, voilà, et la, celle d'après, ça sera pas, non, 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 c'est pas, c'est, c'est vraiment original, euh, et je suis pas sûr de pouvoir le faire, parce que je suis pas sûr d'avoir reçu le matos, le PC portable de gamer qu'on me, qu'on me prête, qu'on me prête, qu'on m'offre pas, qu'on me prête, et que, je, sur lequel je pourrais faire un test, voilà. Balancer un hein. petit spoiler, je vous souhaite une excellente journée. Je suis présent uniquement en mode ninja, Judge. Et bah, c'était un gros plaisir de t'avoir. Tu regarderas la vidéo sur la Gamers Assembly. Je pense que tu vas avoir du Valorant de très haut niveau. Ça me ferait plaisir. Toujours un kiff tes lives sur ce jeu. Là là, bah, J'en fais plein d'autres sur l'informatique. Je vous souhaite une excellente nuit. Les 23h05, on finit pas trop tard, mais c'est parce qu'en en fait, on a un peu la tête dans le cul après. Je vous dis à très bientôt. Il n'y a pas d'outro dans ce bureau parce que euh, je ne mets pas euh, Streamlabs. Streamlabs, ça fait planter mon PC. Donc voilà. Je ne vous mets pas d'outro et je coupe comme un connard, comme dirait Michael Yoon. Je coupe à l'arrache direct comme ça. Et je vous dis salut, bande de noobs. Bonne nuit, des bisous, comme disait Judge. Salut, bande de noobs.